Hey, bonsoir à toutes et à tous, ici Gardoum et je suis avec Panda ce soir pour ce tournoi magnifique. Magnifique, magnifique, Student Gaming League. The League of Legends. C'est clair, en plus on est vraiment en retard, on est vraiment désolé, on a 2 minutes de retard et on était en train de faire nos réseaux sociaux pour vous dire exactement il faut venir ici pour un commentaire de génie. Et oui, c'est la première fois qu'on commente ensemble. Eh, finalement, ouais, c'est marrant, ça, parce qu'en fait, on s'est déjà vu pour boire ensemble. C'est ça. On s'est déjà vu pour faire des émissions ensemble, 100% comestibles. Exactement. On s'est déjà vu pour manger un McDo ensemble, mais on n'avait jamais cast ensemble. C'est marrant, ça. C'est une On a joué ensemble aussi. On a joué ensemble. On a gagné. On a gagné, on a perdu aussi. On a fait les deux. Hop, c'est parti pour le. Pour la Student Gaming League. Exactement, on met sur les réseaux sociaux pour qu'il y ait le maximum de monde. Hop. Et vous aussi, il faut emmener le maximum de monde. Et on va mettre une GG image. Attends, qu'est-ce qu'on va mettre comme GG image? Celle-là, la super image. Ah oui, d'accord. Elle est belle l'image, hein. Moi je la trouve très très belle l'image. C'est classe, tu vois, le fond qu'il y a derrière nous est épique. Et épique. Et en plus, c'est un peu discothèque de temps en temps. C'est un petit peu discothèque. Un petit peu. On a pas mis la boule à facettes, mais presque. J'ai un boule à facettes. T'as un boule à facettes. Nickel. Si c'est pas beau comme truc. Alors on va comme voir si c'est bien. Oui, c'est un peu ok, nickel. Très bien. On est bon là-dessus. Les joueurs, ils en sont où? Ils ont un paysan niveau 200. C'est très bien. On va aller loin. Niveau 200. Intéressant. Oui, je connais pas trop. Alors, on va regarder un peu le niveau des joueurs. Donc pour l'instant, vous ne voyez pas et c'est ça qui est cool, c'est que vous n'allez pas voir ce qu'on va voir. Alors là, je vois du plat. Hein. Ce qui est plutôt pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors je vois du. Du Unrank. Unrank. NP. Il s'appelle Mac Martel aussi. C'est la team des Zbra, hein, c'est ça. Hein. Zbra, Zbra. J'aime beaucoup leur team d'ailleurs. C'est sympa. Alors, on a du Diamant 3. Il y a du Diamant 3. Attention, attention. Peut-être mieux. Qui dit mieux? Ah non, Plate 2. Plate 2. Bon. Moins mieux. Moins mieux. Ensuite, du Plate 2 encore. Et en face. En face, ils sont on que on 4. Est, mais on est quand même sadique, hein, parce qu'on leur montre même pas la chose. Non, ils ont pas besoin. On est sadique. C'est un secret, tu vois. Mais ils vont pouvoir l'avoir, ça va être pendant les 3 minutes d'attente, on va pouvoir leur montrer les profils. Exactement. Et ça va être cool. Alors, attention, qu'allons-nous avoir du Silver 2. D'accord. On a du Silver 2, les mecs, ça sent le Smurf Challenger. Pas. On a du Gold 5, ça sent le Smurf Master. J'ai bien aimé le nom de la team qu'il avait. On a du Plat 2. C'est quoi la team? Gunno. Le Gunno, non, c'était autre chose. Mais c'était autre chose, mais c'est. Ah. Il ne faut pas le dire en stream, mais. Non, c'était l'autre. Ah, alors celui-là, Nico. Ah. Ouais, on va ultra montrer ça, on montrera pas ça. On va éviter. Parlez bien fort. Alors, si le micro n'est pas assez fort, on va pouvoir s'arranger, les gars. Non, attends, je peux le monter dans Windows. Ah, bah, si tu peux le monter. Nos soucis, on va faire ça. Alors, attendez, tac. Paramètres d'enregistrement. Parce qu'on peut le monter, le micro, il n'y a pas de problème. Hop. Et là, ça devrait être un petit peu mieux pour vous. N'hésitez pas à nous dire hein, pour les réglages, tout savoir bien sûr. Bonsoir, Émi de Pin. Alors, à mon avis. Émi de Pin. Émi de Pin. Eh, c'est pas mal. Pas mal. Il est bon. Ah non, je valide. Alors des salles d'attente, tout le monde, le dernier joueur a des bugs de launcher. Bah, c'est pas grave. C'est pas gênant du tout. On a notre. Eh, y a 49 personnes, les gars. 49. Alors, je pense qu'on pourrait au moins taper les 4900. Tu sais, tu fais ça fois 100. Chaque personne partage. Oui. À sa maman, à son papa, à ses grands-parents, tu en as peut-être plein, peut-être pas, ça dépend. Ça dépend où t'en es dans ta vie. Hein. Ils en sont eux déjà dans un premier temps. Tu partages un poisson rouge à ton chien. Ah, on a peut-être le dernier joueur qui s'appelle Jules Jungle Care. Non, pas mal. Ouais, mais ça me dit quelque chose ce pseudo. Ah bon? Ouais, non, en fait, non. Non. Non, j'ai cru en fait, non, ça ne me dit rien. J'ai pas de parents, mais si, tu les connais peut-être pas, ou ils sont peut-être morts, mais t'en as quand même. Alors, est-ce qu'on pourrait rappeler quel est l'enjeu de cette l'enjeu. Alors, sachez qu'il y a deux BO3 qui vont se dérouler en même temps. Donc, nous allons en cast un des deux. Alors, à savoir que, au niveau des teams, qu'il va y avoir. Hop, nous avons donc pour les deux BO3. Alors attendez, je suis pas dans les bons mails. Ah, j'ai 12 000. Et t'as 12 000 mails. Un BO qui est celui que nous allons casser, qui est les SKGC T1, The Schema Business School. Le truc anti-commentateur. Les gens, ils ont choisi le nom de team, c'est pas pour nous. Hein. C'est ça. Et la team après? Et après, c'est les Zbra Gaming. Zbra Gaming. D'accord. La Toulouse Business School. Et le deuxième BO, alors qui va se dérouler en parallèle, qui va commencer un petit peu après, commence à 21h15. C'est ça. Et on va peut-être terminer dessus, s'il se finit pas avant, on verra. Mm-mm-mm. Qui est les Guardians of the Rift. Contre qui vient de Central Paris. Contre Factor Niche. J'aime bien Factor Niche. Ah, c'est rigolo. Pas mal. C'est l'impression que c'est un petit chien, il va dans sa niche et il mord les facteurs. Je sais pas, j'aime bien le truc. Et eux, ils font partie donc des Neoma
Business School. Tu sais, c'est que des noms d'école classe. Tu ouais. dis les mecs qui vont être en train de jouer alors qu'ils sont peut-être en petit costard cravate. Ah, moi j'étais à Georges Clemenceau à Villemomble. Ça fait pas du tout classe. Je connais pas du tout. Moi j'ai fait le collège de la Grange au Havre. Après j'ai fait lycée Jules Siffrid, voilà. Hein, si ça vous aide. C'est... On va loin comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Déjà fait, manque pas d'arène ou pas? Non, non. Non, non, mais je suis là. Il est avec moi. Voilà. Direct. Bim. Bim. Hashtag pro. Vous pouvez lancer. On peut lancer. Ah. On va peut-être remercier certaines personnes, certains sponsors avant de tout commencer. Vas-y, vas-y. Fais péter les sponsors. Qu'est-ce qu'on a? On a le Meltdown eSport Bar qui sponsor. Et il y aura la finale au Meltdown le 23. Et ça va être cool. T'as vu le transfert beau, de... C'est ouais, pas mal. On a Very Games qui est en sponsor. On a Fun Kingdom. Monster. Ouais, parce qu'il faut boire des boissons énergisantes pour avoir plein d'énergie quand vous jouez. Bien entendu. Et le meilleur sponsor que j'ai jamais vu, Uber. Uber. Et ça, c'est classe parce que qui n'a jamais utilisé un Uber? Franchement, après un cast ou quoi, ou après une soirée, le Uber, donc sachez que vous pourrez l'utiliser évidemment après les finales. Parce que bon, après les finales, on sait dans quel état vous allez être. Exactement. Good luck. On va maintenant passer à la phase de piqué ban. On a donc la team Zbra qui a commencé à ban Kog'Maw et Ekko. Oh, Kog'Maw? Kog'Maw, c'est très très fort. Je viens de... Enfin, ce week-end, j'étais in LAN et ça m'a vraiment impressionné. Kog'Maw, qui est vraiment un perso qui est en team, en tout cas, quand tu joues vraiment avec une team. Si t'as une team qui pile énormément le Kog'Maw, bah tu peux faire un carnage face à une team qui était full contrôle en face. Pourtant, c'est difficile pour un Kog'Maw d'être très statique. Ouais. Et tu mets une Morgana, une Lulu, et puis ça passe comme dans du beurre. Ok, donc AD Centric, tu penses qu'il visait ça? Kog'Maw, Ekko, Janna, c'est inhabituel en ce moment, c'est plutôt des bans. Bah, ban Ekko, oui, jusque-là ça va. Mais après, on voit souvent des bans typiquement. Tu peux avoir du Corki, tu peux avoir de la Poppy, tu peux avoir du Trundle de ban, des pics comme ça. Il y en a d'autres, c'est assez inhabituel. Gragas aussi, hein. Gragas aussi, ouais. Pareil, ouais, c'est vrai. Kindred que tu peux avoir parfois. Enfin, voilà, y a des bans classiques en game pro. Et c'est ça que moi que j'aime dans les tournois un peu plus amateurs, tu vois. C'est que tu vois des trucs. Différent. Voilà. Après, je pense que là, l'optique, en fait, quand vous faites un tournoi qui est, comme tu dis, plus amateur, c'est plutôt on va target ban un des mecs en face, surtout sur, un plan de jeu. Par exemple, là, on a deux top laners qui ont été ban du côté de la team. Alors, c'est pas les bras, c'est SKGCT1. Donc voilà, deux top laners qui ont été ban, un jungler, alors qu'en face, on est vraiment disparate, un Kog'Maw, un Ekko et une Janna. Alors, first pick Gragas, on en parlait tout à l'heure, c'est un jungler extrêmement fort en ce moment, Gragas. Évidemment, il est aux côtés de Nidalee et de Kindred, généralement, c'est un petit peu le trio de tête. On voit Daelis parfois, mais c'est les persos extrêmement forts, engage, disengage, énorme dégâts, tankiness, insane. Et on le sait, méta tank. En plus, c'est un flex pick Gragas, ça a vraiment cet avantage, c'est-à-dire que vous pouvez très bien le mettre sur la top lane. On voit notamment pour counter, évidemment, des Poppy, mais on peut le voir aussi très bien face à des Maokai actuellement, ou face à des Ekko, ça se gère aussi. Ah, par contre, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu une Sona en support. On va voir ce que ça a donné. Déjà, on a quand même pas mal de contrôles qui ont été annoncés de la part de la team des SKGCT1. On va dire les SK. SKT1. Allez, les SKT1. Voilà, c'est un remix un peu. Shifumaru, c'est Faker en fait. C'est un petit smurf de Faker en Europe, mais il voulait pas trop l'annoncer. J'aime beaucoup. Alors. Là, ça annonce beaucoup. Hein. On vient de lancer le Brome. On sait très bien qu'on va avoir un Lucian qui va arriver. Je pense que c'est, je sais pas si tu peux me confirmer la chose, Lucian Brome qui est la botlane par excellence. Ah bah c'est difficile de faire mieux. T'as à la fois ton Lucian n'a pas beaucoup de range, mais du coup t'as Brome qui va se mettre devant, la moustache qui protège évidemment. You're safe with Brome. Et à côté de ça, tu as le passif qui va proc en double pistolero avec Lucian. Enfin, tu fais dash double shot. Ça y est, t'es déjà 3 stacks de passif puisque Brome en aura mis un. Il a pu mettre le quatrième entre deux, sinon tu en remets un très facilement. Donc c'est vraiment très très bon ça. Changez les réglages, votre micro est horrible. À quel niveau en fait, faut nous dire quel est le souci du micro qu'on puisse augmenter, baisser ou des choses comme ça. Le micro goal baisser. Ah bah oui, mais si vous nous le dites pas aussi. Sachant qu'on a déjà fait des réglages tout à l'heure pour l'augmenter. Bah surtout, on nous demande de l'augmenter. Ouais, tout à l'heure on nous avait demandé de l'augmenter, là on demande de le baisser. C'est assez rigolo. Bah, hop, écoute, on va rebaisser ça, y a pas de souci les gars. Ouais, 80 ça suffit. Je pense que t'as 90 tout à l'heure et c'était bas. On va essayer. Faut nous dire, hein, là vous nous dites si c'est bon, si c'est pas assez bon, des choses comme ça. Que nous sachions un petit peu où nous en sommes au niveau du micro. Tout de même. Ah là là. Alors, on va pick Lissandra. Donc, on peut pick up en face. On ne laisse pas le Lucian, justement, pour éviter cette duo lane. Peut-être un peu trop strong. Alors, Lissandra Z, c'est plutôt safe comme match-up. Hein. La Lissandra doit pas craindre grand-chose. Et si elle part avec un TP, ça pourrait être vraiment dangereux pour les Zbra.
Les bras. Ouais, t'as parlé du Z quand même, parce que le Z. Moi j'aime bien. Enfin, alors, les derniers joueurs que j'ai vu avec Z, c'était qui? Bjergsen. Ouais. Et ensuite, Fabian. Fabian, d'accord. Voilà. Okay. Et puis Bjergsen qui a fait Legendary. Alors, faut savoir que Bjergsen, c'est dans le BO, donc TSM face au C9. D'accord. Et il y a le Midlaner des Cloud9 qui avait pris Z juste avant, qui avait fail la game complètement. T'as Bjergsen qui arrive juste après. Écoute, mec. Il lui a montré, je vais te montrer c'était. Comment on joue Z. Il finit la game Legendary avec un score de malade. Z, c'est un perso qui fait du plays. Et ça, c'est cool, vraiment. Le micro est parfait, touchez pas, c'était mieux avant. Mais. C'est peut-être vrai. On va mettre entre deux, on va mettre à 95. Allez, on met à 95. On était à 100, on va mettre. Attends, 95. Ah, oh, allez, oh, perfect, c'est beau. C'est beau. 95, vous me dites si c'est bon. Voilà. Normal. Voilà. Alors, donc, botlane, Vayne, Broom. Vayne, on en voit plus des masses. Il y a Piglet qui l'a joué récemment, qui a été très bon avec, mais bon, c'est Piglet, quoi. Bah, en l'occurrence, prendre une Vayne alors que. Bon. Tu me diras, on a quand même une très très belle frontline avec Broom, Gragas et Trundle. Mais je trouve pas spécialement le pick Vayne intéressant face à... Qu'est-ce qu'on a? On a quand même une Vi qui va pouvoir lock. On a aussi une Lissandra qui va pouvoir lock. Donc ça va être très compliqué à la Vayne de pouvoir mettre son DPS en tout cas pendant les fights. Tu me diras, on a quand même Gragas pour disengage. Après, c'est ça. Est-ce qu'elle va pas servir de bait? C'est-à-dire ta Vi qui ultime la Vayne. Très bien, la Vayne se casse vers ses potes, tu mets Brom devant et tu mets Gragas qui bouge la team adverse. Et du coup, t'as la Vi qui est au milieu de ta team, 1v5, tu la butes, t'es en 5v4. Ça peut être intéressant à jouer. Oh, Jack, stop! Mais voilà, j'adore, moi, ces games où tu vois des picks qui sortent de nulle part, tu les as pas vus depuis 10 ans. Ça les mecs te jouent Jack, stop. Ok, 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 mec. Surtout contre un Trundle. Lissandra. Enfin, non, ça, c'est les petits swaps, voilà. Jack, stop face à Trundle. Bah, face à Trundle, alors concrètement, c'est. Je pense que Trundle peut pas mourir. Non, très clairement, s'il joue bien son perso, il peut pas spécialement mourir contre le Jax. Jax, il joue de toute façon toujours Ginzu, hein, j'imagine. Ouais, bah Trinité Ginzu, c'est voilà. Classique. Évidemment, vu la team adverse, il y a beaucoup d'AD, il va devoir prendre un Randuin. S'il prend pas de Randuin, ce serait une grosse erreur. Et c'est l'avantage de Jax, c'est-à-dire si t'es bien dans ta game, tu rushes tes items DPS, tu vas être monstrueux. Mais même si t'es pas bien, comme t'as des dégâts naturels extrêmement élevés, bah tu pars sur la tankiness first et ça va aussi très bien passer. C'est clair. Et c'est vrai qu'en fait on a beaucoup de contrôle en fait quand tu regardes la team des SKT1, ils sont vraiment axés sur le contrôle. Au niveau fight ils sont pas mal aussi. Après les phases de siège, j'allais dire, est-ce que ça te semble pas bizarre, genre ils n'ont pas oublié de swap, mais non, ils sont juste pas dans leur DLCS pour le choix des voilà. joueurs. Sur le coup je me dis, alors, beaucoup galéré moi pendant ma LAN à faire comprendre aux gens. Quand tu commentes, c'est très important d'avoir le placement top. Parce qu'en fin de compte, nous au niveau des touches, parce que les gens ne comprennent pas spécialement, mais nous au niveau des touches, c'est plus simple et c'est plus logique qu'on va faire 1, 2, 3, 4. On sait très bien que tu vas avoir top jungle mid et ADC support. Et ce qui va nous permettre de nous déplacer en fin de compte sur la carte. C'est quand vous faites la souris en fait. Hein, quand vous faites la souris en appuyant sur les touches des persos de 1 à 10, du coup, vous allez apparaître sur chacun des persos. Et du coup, quand l'ordre est le même dans chaque game, c'est beaucoup plus simple pour vous de repérer. Voilà, voilà. Alors, venger la pink team. What? Il y a des trucs bizarres. Donc, au niveau des match-up, sur la top lane, on va avoir un Trundle face à un Jax. Comme je disais, je vois pas de gagnant ici. Peut-être sur un gang qui a moins comme de tuer Trundle. Hein. Vi, c'est assez agressif. Tu peux avoir un Jax qui va mettre pas mal de dégâts. Il y a peut-être moins de tuer Trundle plus facilement qu'à l'inverse tuer Jax, à mon avis. Parce que Jax, évidemment, a tous les trick wards. Ça peut être intéressant. Au niveau de la jungle, alors Vi, Gragas. Vi, c'est un pick que j'ai pas vu depuis longtemps, mais j'avoue pas tuer Gragas. Non, pas du tout. Pas du tout. Et même si elle s'approche, il a toujours son ulti pour s'extirper, il a son coup de bidon. Après, moi, c'est ce qui va me permettre de. Enfin, ce qui me dérange un petit peu, c'est plutôt le combo mid-jungler. Parce que Z va arriver in front sur la Lissandra. Root. Ça va l'empêcher de mettre son ulti et être optimisé en fait contre. Et Gragas, en plus de ça, la symbiose entre le mid et le jungler n'est pas vraiment sympathique. Alors qu'en face, on a quand même Vi plus Lissandra. Niveau lock, on est pas mal. Au niveau DPS, on est très très bien. Donc moi, je donnerais plus l'avantage à la compo des SKT1. Ah, la compo des SKT. Des SKT1. Oh, c'est tellement classe de dire ça, allez. C'est comme si tu commentais les LCK, mais en France. Et ça, c'est beau. Du coup, ouais, leur compo me plaît un peu plus, effectivement, parce qu'on n'a pas de grosse frontline un peu dégueulasse comme on voit actuellement. Typiquement, Trundle, Gragas et évidemment Brom, mais bon, Brom c'est un support, on l'accepte.
Mais là, c'est intéressant. Par contre, voilà, ils n'ont pas cette fameuse grosse frontline. Ça pourra leur porter préjudice en late game. Parce qu'en late game, en face, t'as une Vayne. Et la Vayne qui va te full DPS. Qui va évidemment prendre une QSS. Hein, c'est obligatoire. Enfin, t'as le stun de Sona. T'as tout simplement bon, le root de Lissandra. T'as aussi sa suppresse, son ultimate. Tu as pareil avec Vi. Et tu as le stun de Jax. Donc, la Vayne va prendre beaucoup de temps avant d'être efficace dans la game. La team adverse est très forte contre elle. Mais une fois que la game va passer 30-35 minutes, gros avantage à la team Deathbra. Bien sûr. S'ils survivent jusque-là. Ouais. C'est vrai qu'elle est très early la compo. Après, on a quand même une compo qui. Après, on a quand même Jax, Lissandra. Et niveau late game, on est quand même pas mal. Mais comme tu le dis, une Vayne qui va avoir son itemisation qui va arriver de plus en plus vers les 35 minutes. Et là, en l'occurrence, elle va pouvoir mettre son DPS. On l'avait dit en plus de ça, on a quand même un peel qui est vraiment sympathique, à la fois avec le pilar de Trundle. Le shield de Braum et bien sûr son ulti, et bien entendu le disengage de la part de Gragas qui va lui permettre de revenir et de se repositionner en tout cas. Ouais, là moi ce qui m'embête vraiment en fait du côté des deux teams, c'est qu'ils peuvent pas jouer le 1-3-1 réellement parce qu'il y a des lanes fortes de chaque côté, mais ils ont pas de quoi dépush. C'est-à-dire que le 1-3-1, le but c'est d'avoir une mid lane qui dépush très bien, comme ça tu laisses deux solo laners très forts. Or là finalement en solo lane, bah t'as Zed qui va être en face d'une Lissandra, bon la Lissandra peut tenir mais va pas réellement pouvoir push. Jax peut tenir le Trundle. Le 1-3-1 peut se faire, mais vu qu'ils ont. Enfin, le problème c'est qu'ils ont pas de dépush dans aucune des deux teams, donc en fait si ça va s'équilibrer. C'est. Voilà, généralement 1-3-1, vous prenez un gros dépush, typiquement une civière, des choses comme ça, vous mettez deux solo laners et c'est good. Là, ça va être un peu différent. C'est une méta qui est étrange. Mais après, comme on l'a dit, hein, cette compo d'Ezbra est complètement à l'inverse. On a une compo teamfight et une compo qui est vraiment disengage, à la fois avec le Broom et comme on l'a dit, Gragas et Trundle. Donc, à voir comment ils vont gérer la chose du côté des SKT1. Mais personnellement, je pense que les Ezbra vont pouvoir, déjà au niveau de leur niveau, parce que quand même, il faut savoir que là, on voit les cadres très clairement. Ouais, c'est ça, on est dans une team full diamant platine face à des Silver Gold Plat. C'est ça. Mais voilà, ça ne veut rien dire parce que on l'a vu hein, même dans les games pro, c'est-à-dire que généralement c'est les teams qui jouent agressifs en ce moment qui sont extrêmement fortes et qui win les games. Mm-hmm. Là, on a une compo pick-up du côté des SKT T1 et je pense que grâce à cette compo pick-up, s'ils arrivent à jouer leur lead, à jouer l'agressivité, il y a moyen de faire quelque chose. Après, il faut pas se faire outplay sur les lanes. Bah non, si on se fait outplay par les lanes, après c'est fini, j'ai l'impression, et on va, bon, je pense qu'on va mettre déjà. Ouais. Les persos dans le bon ordre. C'est le petit moment de joie là de la game. Hop là. C'est le truc que t'as l'habitude de faire seulement en LAN. Alors c'est bon au niveau du. Ça retransmet. Ouais. On est good là, on est good. Normalement, tac, on va check. Mais. Hop là. Ah, on est bon. Nickel, c'est nickel. Perfecto. Perfecto. Alors, y a pas eu de ping actuellement dans la game. Qu'est-ce qu'on. Oh, par contre, moi j'ai le micro qui me. Attends. On va essayer de décaler un petit peu le micro parce qu'il m'empêche de voir la map. Voilà, ça devrait être toujours bon dans mon nice. Son, n'hésitez pas à nous tenir au courant. Alors, on reste paquet du côté des SKT T1, ce qui est assez inhabituel. Non, bah pour l'instant, ouais, l'auto. Tu laisses en auto. Et si besoin, de toute façon, on verra bien au niveau des lignes, y a pas, ouais. Pas de soucis. Les SKT T1 qui restent paquet, c'est assez drôle parce que généralement, on va justement aller cover un petit peu tous les emplacements de jungle. On devrait avoir les deux duo lanes qui devraient commencer notamment au Krug puis au Gromp. À première vue, pas. À première vue, non. Pas. Stratégiquement, les Ezbra choisissent, et je pense que ce sera pareil en face hein, du côté des SKT T1, que ce soit la duo lane finalement qui a aidé le jungler. Ah, peut-être pas. Peut-être pas, les SKT T1 font un move intéressant là-dessus. On va avoir du coup le top laner. On commence weak side, ce qui permet normalement à la bot lane de prendre le Gromp et de passer level 2 plus rapidement. Ouais, et les autres vont très clairement aider le Gragas à faire donc les Krug. Ils ont juste été vraiment patients, ils ont regardé au niveau des entrées de jungle au cas où il y avait une invade qui aurait pu s'effectuer. En tout cas, là voilà, on va aider le jungler. Très bien joué de la part de Natis Joko et de McMartel. McMartel qui est donc le capitaine de l'équipe des Ezbra. McMartel en double. Il y a deux McMartel. Ah mince, il y en a deux. Hey, ah oui, d'accord. Ils ont deux capitaines. Capitaine. Capitaine. Attention, ça poke sur la mid lane par Jungle Care sur Banana Abuse. Au niveau de la top lane, ça doit être tranquille. Voilà, on n'a pas perdu de creep. Très intéressant, les SKT T1 comme prévu. Oh, il laisse toute l'XP à Shifumaru. Ah non. Non, si. Attends. Si, il a pris toute l'XP. Ouais, il a pris toute l'XP. Énorme, il va passer le level 2 très. Voilà, le level 2 qui est récupéré sur le Lucian. On peut mettre la pression. On a maintenant le dash qui up, la lumière perforante qui va passer. Et le poke, hein, ça c'est très intéressant avec la Sona, c'est qu'elle a la possibilité de poke. Mais ce qui est très bien avec le Broom, c'est que dès qu'il va mettre son passif, son tick, bah, on va commencer à engage.
Et le sustain, on n'aura que du sustain au niveau du targon pour le Brome, alors que pour la Sona, on va avoir continuellement son spam de A. Ouais, le spam de Q de et Q, le heal qui va arriver à chaque fois. Le level 2, ça va être intéressant. On a le level 2 maintenant du côté par contre des Sbra, faut faire attention, ils peuvent être très agressifs. Au niveau de la top lane, le matchup ça donne quoi? Pour le moment, petite avance pour le Jax. Il est parti d'Orange Shield et je pense que c'est vraiment intéressant parce que le gros avantage de Trundle normalement c'est le sustain et Jax en manque un peu, ça compense largement ce problème de sustain. Sur la mid lane pour l'instant, c'est un petit échange d'amabilité, il se passe pas grand chose. Non, il se passe pas grand chose. En plus, on va attendre certainement le level 3 ou voire même le level 4 de la part de Vi hein, pour essayer d'aller sur une des lanes. Attention, hein, quand même, il prend quand même pas mal de dégâts hein, le Trundle là sur ce coup-ci. Jax qui joue très bien le match-up. Et attention, regarde au niveau de la mid lane, on va avoir certainement un gank de la part de Vi qui a été spotted avec cette ward. Très bien joué de la part de Zed. Et Gragas qui ne viendra pas aider son homologue. Ah, le Gragas qui est très très loin dans sa jungle, il a fait tous les camps, il va à peine commencer son buff, ceci dit de façon symétrique, on a le même problème, enfin même problème, même truc sur Vi. Il est un peu en retard. Hein. Un petit peu, ouais, mais bon, ça va se gérer. On a le Trundle qui va pouvoir farm sous sa tour et évidemment sustain énormément, donc pas vraiment d'avance au farm pour le Jax, hein, vu tout ce que le Trundle a récupéré. C'est pas mal, les Sbra ont une compo qu'ils doivent temporiser, et pour le moment, il va falloir vraiment attendre chez les Sketty que Nico fasse le move. Attention là, le route qui a été mis en place de la part de la Lissandra, le Z qui a pris quand même pas mal de dégâts. Après hein, je pense, qu'est-ce que t'en penses au niveau du match-up en fait entre Z et Lissandra? Parce que dès level 6, qui va avoir l'ascendant? Ça sera Lissandra certainement. Bah Z peut mettre la pression, il pourra pas la tuer, mais Lissandra peut pas non plus le tuer. C'est assez particulier je pense comme match-up hein, vraiment. Alors, au niveau de la botlane, les creeps c'est plutôt even, ils sont tranquilles, il n'y a pas vraiment d'avantage, hein. Non, il y a des niveaux très disparates dans la game, notamment entre les deux teams, mais ça a l'air de se tenir pour l'instant, pas de gros outplay, le Jax qui commence à prendre un trait face au Trundle, et qui ne met pas d'autoshot après le stun, c'est assez bizarre, le pilar qui va passer, et Mac Martel. Il y avait une ward hein, qui avait été mise en place au préalable, hein. Il a vu le Gragas qui arrivait, il a juste mis son lampadaire tournoyant pour stun au moins le Trundle pour éviter qu'il mette son pilar. Attention les bons dégâts qui ont été mis en place de la part de Lucian, mais ça ne suffira pas malheureusement. Je sais pas ce qu'il a voulu tenter en tout cas. Un peu étrange, c'est pris le counter poke, mais c'est quand même marrant. Jax, c'est un perso vachement badass dans la Ligue des Légendes. Le mec, il est tellement fort qu'on lui a dit écoute, prends pas d'armes, prends un lampadaire, s'il te plaît. Prends un lampadaire, sinon tu vas déchirer tout le monde. Non, mais faut pas se tourner que le perso soit pété. Ah non, mais c'est clair et net, c'est clair et net. C'est RP. Moi, je n'aime pas du tout me retrouver contre un Jax, même si je ne joue que support. Ça, c'est clair et net. C'est un perso que j'aimais bien à une époque, et puis bon, maintenant, il passe difficilement dans la méta. Il a eu sa période OP qui est un peu dommage aussi. Alors au niveau du farm, top lane c'est plutôt even, mid on a une petite avance pour le Z, c'est assez intéressant, qui vient de faire son premier back, il va quand même récupérer quelques creeps. Et la Lissandra qui ne subit pas réellement le match-up mais qui prend un petit peu de retard tout de même. Ce Z qui ne la respecte pas par contre. On ne rush même pas l'Exdrinker, on rush la dague d'enclé. On va faire le maximum de dégâts. Comme tu dis, hein, pas d'Exdrinker, hein, donc ce qui va permettre d'absorber les dégâts magiques dès qu'elle va mettre un maximum de dégâts. Et en l'occurrence, là, elle va TP, elle revient directement sur la mid lane. Je ne sais pas si on a l'info de la part de Z. Qui lui en fait n'est pas parti sur un TP, dans son Z ça ne se joue pas avec TP très clairement. Et il a, je sais pas s'ils ont eu un trade dans... Attention le gang sur la botlane de la part de Gragas, Mac Martel qui vient le coup de bidon qui ne passera pas. On va peut-être mettre le passif sur Pandas, ça passe et ça va être le first blood qui est récupéré pour Mac Martel, le carry AD. Attention le carry AD, la veine, très très bien joué hein, le passif de Broom qui a été mis en place très rapidement. On a pu mettre les stacks et très clairement on va directement aller sur la Sona. Le trade qui est pris sur la top lane, l'ultime de Trundle qui va passer, pas mal de game pour Jack. Donc sur la mid lane, il y a aussi un nouveau move. C'est parti sur le Z qui utilise son ultimate, qui va essayer de s'échapper, qui va peut-être tomber. Oui, passe. Très bien joué de la part de Lissandra, la vie qui est venue au bon moment. Et attention, hein, parce que vu les dégâts qu'a mis Z sur le jungler et le mid adverse, ça risquerait d'être très compliqué pour la suite. Hein. Ouais, les SKT T1 qui ne se laissent pas faire, hein. Ils donnent un kill bot aux deux Mac Martel finalement. Mac Martel est venu gank Mac Martel. C'est assez particulier tout de même. Et finalement, ils contestent avec la mid lane, sachant que la prochaine fois, on va avoir l'ultime de Vi, ça peut être pas mal.
Alors, on va avoir encore du contrôle de en plus, on va avoir quand même un lock assez conséquent. Et là, en l'occurrence, on a pas eu l'intelligence de jeu du côté de la team des SK T1 d'aller sur le Drake, sachant qu'on savait très bien qu'on n'avait pas le Z qui était présent et on avait déjà Vi qui était sur le côté avec de toute façon le back de Brom ainsi que de Vayne. Ouais, ça aurait pu être intéressant. Ils ont pas choisi cette option là. Vi qui quand elle son back d'ailleurs, qui va juste aller chercher le gromp sur la mid lane. Attention, le gank sur la top lane qui ne passera pas, ça a été vu. Il est souvent en top, hein. Gragas, j'ai l'impression qu'il veut vraiment mettre bien le trundle face à ce Jax. Ça fait quand même déjà 3 fois qu'il vient en top lane, en tout cas dans les abords de la top lane. Donc il veut vraiment mettre le trundle en puissance. Et j'avoue, hein, d'un côté, hein, qu'est-ce qui pourrait contrecarrer le trundle, surtout en late game. C'est le problème, c'est trundle, c'est un perso beaucoup, beaucoup trop fort en late. On l'a vu notamment hier tout simplement hein, dans le fameux match-up avec les Fnatic, qui a été loose d'ailleurs par les Fnatic. Ah ouais. Et où il y a eu, quand en face de toi t'as Trundle, t'as Ryze, en late game tu ne fais plus rien. Beaucoup trop puissant ces deux persos en late. C'est clair, le DPS est assez constant. En plus Trundle, comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est une tankiness, un DPS qui peut faire mal. En plus avec le pilar, les ADC sont complètement bloqués. Donc on peut se ramener très rapidement avec la zone en plus de ça. Donc ouais, Trundle très gros pic et comme tu dis, un Ryze en plus de ça, ça a dû être très compliqué quand même pour eux. Ça a été la loose évidemment. Mais c'était un stomp ou ils se sont pas mal fait déchirer par les gamers tout comme ça. Il y a juste une game où ils se sont dit, écoute mec, je m'appelle Fabivan, je vais sortir Z, ils ont joué agressif, ils ont gagné, sinon ils se sont pris un 3-1. D'accord. Voilà, okay. La violence à l'état pur. La violence. Et donc attention, le gros Mac qui s'est mis sur le côté, les bons dégâts qui ont été mis en place, le Q-Spec qui ne passera pas malheureusement. Et le trade de la part des SKT T1, pas d'ultime pour le Brom, vient à peine de passer level 6. Ouais, c'est pas un bon trade hein, qu'a pris le Brom. Il a même pas mis de dégâts au moins sur la Sona, qui est le perso je pense le plus squishy à l'heure actuelle chez la team des SKT T1. Et donc à focus, j'ai l'impression, hein, pour éviter qu'elle mette son ulti. Je pense que si on peut le DPS très rapidement, la Sona pourrait être inutile. Sachant qu'une Sona qui reste dans un teamfight le plus longtemps possible, elle va pouvoir mettre du poke, elle va pouvoir heal ses coéquipiers et mettre son fameux ulti qui va stunner énormément de personnes. Et qui va faire danser tous les gens devant elle. Gentiment, ils vont danser, ils vont se remuer. C'est au ça. Rythme de la musique. Alors, qu'allons voir ici, la Vi qui va peut-être tenter de faire une invade d'arriver. Non, pas par derrière les bras. Retourne sur la mid lane, mettre une pression. Non, on hésite. Plein d'hésitation pour Nico. Plein d'hésitation, malheureusement, qui lui coûte beaucoup trop de temps. C'est ça, elle a trop hésité, elle a regardé quand même, elle a check au niveau de son brouilleur s'il y avait une ward qui était placée dans le bush externe. Ça n'a pas été le cas, on va certainement avoir un engage. Ça bait énormément du côté de Lissandra. Elle veut vraiment essayer de ramener la vie, surtout qu'un contrôle de plus sur un Z, ça peut être pas mal. Le TP qui a été claqué en botlane, attention, l'agressivité qui a été mise en place, l'ulti de la part de la Lissandra en continu, on essaie d'aller sur la Vayne, c'est très difficile. Passera pas le flash in pendant que le Gragas fait le flash, coup de bidon, feu explosif, on prend un kill dans chaque team, attention, le bomb qui va peut-être tomber, c'est parti, le Lucian qui par un nouveau kill, Shifuaru qui va tenter de s'escape. Flash out avec le heal, pendant qu'on a l'ultime de vague qui va peut-être permettre de récupérer un kill et non pas assez de dégâts. Shifumaru est tombé sous les coups du red buff. C'est trop fort, Gragas, c'est trop fort. On le voit hein, très clairement sur le fight qui n'était pas spécialement à l'avantage de la team d'Ezra avec un Brom et un Lucien qui étaient vraiment en sous-vie, ils n'avaient presque plus rien et ils ont pu remonter avec ce Gragas qui arrivait au bon moment. On a eu les tics de Brom qui ont permis plusieurs stuns et voilà un doublé sur Gragas. C'est insane. Là, ça va être très compliqué pour la team des SKT1. Le feu explosif qui a été pas mal géré. Malheureusement, Jungle Care, il a un petit peu fait il a mis le tombeau de glace sur le Brom ensuite il est parti sur la Vayne. La Nova n'est pas passée. Il s'est fait exhaust. Move complètement perdu finalement pour les SKT T1 qui mettent beaucoup de ressources et qui maintenant se retrouvent avec un K-Gold de retard. Ouais, un K-Gold de retard, hein, ça commence. Ça va, c'est récupérable encore. Là, on a plutôt les kills qui sont centralisés chez Zbra sur le côté du jungler Gragas et de l'autre côté, du côté de la team des SKT T1, on est plus sur le Lucian qui a déjà sa BF en plus de ça. Attention quand même on a le Jax qui commence à monter en puissance, il commence à mettre vraiment beaucoup de dégâts sur le Trundle, ça risquerait. Regarde, hein, quand même, il est déjà mid-life. Ouais, le stuff Trundle est assez étrange. Il est parti sur le point de Jorim first. Alors, bon, évidemment, tu pars sur Hydro Titanesque sur le Trundle, mais c'est pas ouf la face à Jax. Peut-être qu'un rendu n'aurait été pratique. Après, de toute façon, il se fait push. Il arrive pas à maintenir le counter push. Il a pas rush le Tiamat.
Trundle, normalement, c'est tu rush le Tiamat pour éviter de te faire push. C'est tout l'intérêt du perso. Attention, le trade qui est pris sur la Sona, le passif de Brown qui va proc et on recule. La vie qui va arriver directement. Très bien joué. On met tout sur la veine. On a mis le passif pour éviter. Mais ça suffira pas, malheureusement, du côté de la team des SKT1. On fait un doublé du côté de Lucian. On va partir sur le Drake. Déjà 4 kills pour le carry AD des SKT1. Le carry AD avec son support qui sont les deux personnages les plus présents en termes de kill share. C'est pas mal, ils vont aller récupérer le Drake. Ça se regroupe complètement. On a aussi la Lissandra qui décale. Premier Drake de la game fait à 12 minutes 30. On est dans les mêmes timings que les pros. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau, non ? C'est très bien. D'un côté, tu te dis de plus en plus, hein, le niveau League of Legends a augmenté. Donc ça, c'est très clair. Après, moi, ce que je pense très clairement, c'est que plus tu regardes des games de pros et plus tu essaies de faire comme eux, et à chaque fois, tu commences à évoluer. Et donc, c'est exactement ce qui se passe sur cette game. Donc, très, très bien joué de la part des deux équipes. On est déjà à 3-5. On n'a pas de tower qui ont été pris dans un premier temps. Pas de tour pour le moment. Après, c'est pas surprenant. Ils n'ont pas fait non plus de swap lane. Il n'y a pas de grosse rotation mise en place, comme on l'a vu. Après, voilà, ça, c'est des stratégies que tu mets en place à beaucoup plus haut niveau. Au niveau des Golden Even, attention, le gang sur un midline, la Lissandra qui arrivera à s'échapper avec sa griffe. Mais il n'y a plus de mana. On ne pourra pas rester longtemps. On peut pas rester longtemps, pas mal de DPS hein, de la part de ce Z, sachant que la compo des Zvra est vraiment très AD en fin de compte, hein, avec le Z, la Vayne, faire très attention. Je pense que le build-up de la part de Jax et de Vi, c'est de prendre, comme tu l'as dit, un rang de 1 au cas où, pour vraiment temporiser le DPS adverse. Et voilà, regardez, mais c'est énorme le DPS de ce Z et avec cet embrasement. L'Ignite qui va pas prendre le kill, mais voilà, Z est présent, c'est terminé. Oh, attention. Oh, l'ultime. Ça ne doit pas exister, ça. Ouais. Moi, le manque de respect est parmi nous, mon cher Gardom. Hein. C'est ça, mais il craignait de louper son shuriken, c'est d'y aller. Voilà. Il est encore up, je vais l'utiliser un peu. Cette Lissandra qui n'a pas back depuis tout à l'heure, malheureusement, elle aurait dû. Mmh. Elle voulait pas perdre de ressources et finalement, elle y perd la vie. C'est ça. Bon, là, elle a one-shot le Zhonya. Donc, ça, c'est ce qui est bien après sur une Lissandra, c'est qu'elle pourra temporiser le fight vraiment très longtemps, à la fois avec son ulti et à la fois avec le Zhonya. Donc, ça, c'est très très bien. C'est une bonne analyse de jeu. Surtout qu'il va falloir temporiser le fight contre la team des Zbras. La top lane, le Jax, il prend le trade qui parvient à stun le Trundle, mais qui ne va pas aller au bout. On voit exactement le même schéma de Peter, c'est je te stun pour reculer. C'est ça. J'aime utiliser ma mana dans le vent, ça me fait kiffer. Ouais, mais d'un côté, il la stun plusieurs fois aussi pour qu'il manque des creeps. Regarde, hein, carrément, on est déjà à 15-16 de différence au niveau de la top lane. On a Gragas, hein, encore une fois, Gragas qui est en top lane, qui veut vraiment mettre bien le Trundle. Il sait, et à mon avis, ils sont en train de communiquer, hein, le Trundle et le Gragas, en disant, mais attends, il me met cher. Allez, allons-y, le pillar qui a été mis en place de la part de Trundle, on essaie de venir. Oh, cette ulti, malheureusement, qui va permettre à ce Jax de s'échapper de cette situation désastreuse. You fail, dude. Il a flash en plus, c'était le flash, le Gragas, le fût explosif. Mais voilà, c'était complètement raté malheureusement. La Sona qui met un peu de poke. On enlève la ward dans le tribush côté Braum. Nico qui est présent sur la botlane. L'ultimate qui est up. Est-ce qu'il y a moyen de dive cette Vayne? C'est dur avec un Braum devant tout de même. Un Braum devant, on a quand même un CC assez conséquent. En plus, on a le shield qui va permettre d'éviter tout le DPS. Parce qu'une Kling, hein, très clairement, vous prenez un Braum et une Kling, c'est très très bien. Attention, on a un engage qui va être mis en place. C'est un peu dommage, je pense que la Sona aurait dû décaler plus au lieu de mettre un DPS, comme ça aurait bait la Vayne et le Braum, surtout qu'on a une vie qui attend quand même depuis pas mal de temps dans ce bush. J'ai pas l'impression que ça soit effectif là. Ah, est-ce qu'on va forcer le dive? Il y a plus beaucoup de HP sur la Vayne, ça peut être intéressant. Il y a du kill à prendre, on a l'ultime de Sona, l'ultime de Vayne. Et c'est parti, peut-être l'engage qui va être fait. Ça recule du côté des bras, le Lucian qui va peut-être faire l'engage. On est hors de portée pour l'ultime de Vayne. Et ça permet tout de même de potentiellement... Et regarde le décal sur le Gragas ainsi que le Z qui ne va pas y aller en fin de compte, mais Gragas qui... non, c'est bon, il s'en va. On avait tout le monde, à mon avis ça a été notifié sur la Lissandra. Attention, en mid on a certainement une action. Allez, la Lissandra qui va certainement le kill, X-Drinker qui approche. Très bien joué, l'arrivée de la part de Gragas, le Sun qui va être mis en place. L'arrivée de la part de Vicky prendra le kill. Et le kill en plus de ça de la part de Martel. Martel contre Nico qui va gagner entre le Gragas. Le DPS est assez constant de la part du Gragas. Le stun qui a été mis en place. Très bien joué Martel. Martel qui met énormément de dégâts contre la vie. Est-ce qu'il va prendre le kill? C'est très compliqué. Le stun pile dans le Q-spell de Vayne. Oh, ça ne fera pas. Ce manque de respect. Mon ventre est plus puissant que tes poings. La tristesse d'une Vayne, nous l'avons vu. On a deux levels d'écart. On a 50 CS. Gragas
au-dessus, Gragas navigue, Gragas surfe sur les larmes de ses adversaires. C'est clair, c'est net. Et on est toujours dans les mêmes distributions de kills, à la fois du côté d'Ezbra et d'SKT1. On a Gragas qui est à 4-0 et Lucien qui est à 4-1. Mais qu'est-ce qui va être important dans. Lucien dans... à 4-1, c'est pas gentil. À 4-1. J'avais même pas le tilter en plus. Et je te jure, dans le chat, ils vont le dire direct, la catinte. Eux, ils cherchent même pas à comprendre, ils vont le dire. Non, mais c'est vrai. Mais moi, ce qui est important, c'est quoi? Mais c'est le grillage. Attention, le tracer à top lane qui est pris par Jackson, un ultimate de Trundle qui va peut-être lui permettre de survivre. Le stun qui va passer. Mais c'est un kill récupéré alors que Gragas va faire le gant sur la top lane. Il va potentiellement récupérer ce qu'il sera le feu explosif. On ne laissera pas s'échapper l'homme au lampadaire. Oh! Il s'extirpe de la situation très vite de la part de Jax. The Juke! Non! Est-ce qu'il a encore une ward? Non! Est-ce qu'il a encore une ward? Non! Oh si! Le carapateur qui va l'aider, très bien joué! De la part de Athen Claude qui va essayer de stun l'arrivée de la part de Z, très bien joué! Ils vont continuer le kill! La banane abusée qui prend ce kill! La banane qui a subi des troubles dans son enfance a pris un kill, les amis! Et maintenant, on n'est qu'à 500 gold d'avance pour les Sbra. Non, mais c'est incroyable, incroyable. Et pourtant, on est à 7-7, hein. C'est ouf comment les joueurs de ces différentes écoles, est vraiment intéressant en fin de compte. Hein. Ouais, moi, franchement, moi ça m'éclate. Je sais pas pour vous dans le chat, mais en tout cas, moi, ça m'éclate. Alors, sur cette top lane, qu'est-ce qu'il va y avoir? On a l'hydro titanesque enfin qui est terminé de la part de Trundle sur Amiden. Ça se fight. L'ultimate de Vi qui n'est pas up, malheureusement. On a le tombeau de glace de la part de Lissandra, mais on va attendre d'avoir le double combo pour être sûr de tuer ce Z. Beaucoup d'agressivité hein, dans cette game. Hein. C'est vrai qu'on est dans une phase à 18 minutes de jeu où on a quand même une optimisation qui est quand même pas mal. On va avoir du stuff qui va pouvoir très clairement mettre des dégâts suffisants pour dépop quelqu'un. Et en l'occurrence, là, le Gragas. Moi, personnellement, je préfère que mon Gragas soit à 4-0 que mon Lucien qui soit à 4-1 et qu'il n'y a pas spécialement de personnes qui l'ont protégé depuis le début de cette game. Et le Gragas, il va arriver, il va le dépop. Il va le dépop. Moi, je te dis direct, ça va être engage sur Lucien. Il n'a pas d'armure pour le moment, le Gragas. Et là, c'est intéressant, c'est que le Lucien commence à avoir un peu de crit. Est-ce qu'on va essayer de faire le deuxième Drake quand même de la part des SKT1? Where is Faker? Attention, ça se pack tout de même du côté des Sbra. On veut pas laisser ce deuxième objectif sur la top lane, ça se regarde encore dans le blanc des yeux. Les deux TP sont up, mais il y a un petit TP advantage. Attention, l'engage qui est fait de la part de Sbra sur Nico. Nico qui prend pas mal de dégâts, le Q spell pour s'échapper. Sbra qui continue, le chase, McMartel, l'ultime de la part de Brom sur cette Sona. Cette Sona qui va tomber sous les coups de ses adversaires. Le passif qui ne va pas proc, et elle parvient à s'échapper. Elle parvient à s'échapper, c'est incroyable, mais ça va dive quand même. On a mis Brom devant pour prendre le maximum de dégâts. Voilà, on a mis la condamne, très bien joué. Oh, ça continue, le TP qui a été mis en place, elle s'en sort, très bien joué, l'utile de la part de Lissandra pour essayer de prendre un kill là-dessus, mais ça ne suffira pas à l'arrivée de la part de Z. Elle revient directement de jump-in. Attention, les bons dégâts, l'utile de la part de Z. Les SKT1 qui vont s'auto-crucifier sur la team des Sbra, ils se suicident un par un après avoir admirablement temporisé ce fight. Waouh! Mais qu'est-ce donc que cela? Waouh! Impressionnant. Et pour l'instant, en top, j'ai l'impression que le fight entre Trundle et le Jax, ben c'est Trundle qui commence à mettre la pâtée. Il a le stuff conséquent pour en mettre des difficultés à Jax. Oh, c'est marrant comme ce que là, il est full life carrément, quoi. Il s'est pas pris un seul auto-shot. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé, peut-être un pilar sous tower, il l'a ramené, j'en sais rien. Le manque de communication en tout cas de la part des SKT1 qui les met à 3K gold de retard. Ils arrivent à temporiser énormément, et là t'as Lissandra qui retourne dans le fight, se suicider avec 0 HP. T'as Vi qui fait pareil, enfin la débandade les amis, la débandade. Grosse erreur qui leur a coûté une belle avance maintenant pour les Sbra quand même. 3K gold à 20 minutes, c'est pas mal. Ça commence à faire quelque chose. Mais moi, c'est ce qui me fait peur. Mais depuis le début de la game, j'en parle. Mais ce Gragas qui, je pense, porte son équipe quand même. À chaque fois, les engages sont très bien exécutés. Les gangs sont au bon moment. Il a été là présent à chaque fois quand il y a eu l'invade de Vi. Donc, Gragas, pour moi, est l'élément clé en tout cas sur cette game. McMartel MVP pour l'instant. Pour moi, McMartel, Gragas, attention, Gragas. Le trade qui est pris de la part de ATM Cloud sur Disperiax. Mais voilà, l'ultime de Trundle qui permet de temporiser un petit tricoire pour s'échapper. Et ce Jax va devoir battre. Et regarde, il est toujours là, ce Gragas. Il est là à chaque fois qu'il y a quelque chose. Ah, dommage, le coup de bidon. Pas grand chose, il y a 4 levels d'écart. 4 levels d'écart entre les junglers, le double de CS, c'est monstrueux ce que se prend cette Vi.
Enfin, elle est tellement en retard dans la game par rapport à Gragas. Gragas, il est full tank, il deal des dégâts complètement insane. Cette méta est exceptionnelle. C'est ça, cette méta que je déteste complètement, enfin personnellement, c'est mon avis. Et voilà, là, pour l'instant, le 39 qui va arriver, le TP qui a été mis en place, le flash shot pour éviter, parce qu'on avait quand même V qui aurait pu le toucher avec ses points. Surtout que Jax a été sous TP, donc aurait pu mettre le DPS constant. Et ouais, non, mais attention à pas trop donner. Et regarde, encore une fois, ce Gragas est en top lane. C'est fou. Mais vous êtes fou. Mais vous êtes fou. Oh oui. Attention sur la midlane peut-être, un gank sur ce Z. Non, le Z qui commence à décaler sur la top lane. Ça a été vu par la Vibe. Le trade qui est pris, attention. Il y a plus beaucoup de mana du côté de Trundle, mais on ne craint rien. Jax qui prend beaucoup de dégâts, qui ne pourra pas s'échapper. La banane abusée dans son enfance récupère un nouveau kill qu'elle laisse à Trundle. Cette Vibe maintenant va réussir à s'échapper. La banane abusée qui fait un bon taf. Hein. Mm-hmm. Une fois que tu as subi des choses. Attention, on a Gragas qui va essayer d'engager sur la veille. Les bons dégâts qui ont été mis en place. On a Lissandra qui est en backup. Attention, on essaye de se régénérer. Très bien joué de la part de Mac Martel Gragas. Est-ce que ça va continuer? Putain, les dégâts! Le tombeau de glace va peut-être permettre à Nico de survivre. Et le kill qui n'est toujours pas récupéré sur ce Gragas qui s'en tire avec 10 HP, les amis. C'est complètement insane. Alors que sur la top lane, il y a eu un viol complet en faveur d'Esbra, 2 kills récupérés pour cette Vayne. Et voilà, on voit très bien en botlane que Lucian plus cette Sona font le travail. Ils ont pas besoin de leur équipe pour l'instant pour mettre à mal la botlane adverse. Attention, on essaie de revenir de la part de Zlanguage avec Disperias qui est pas loin. Jukel qui tombe sous l'embrasement de Z. Ah, Ignite pour récupérer le kill. C'est ça, j'ai l'impression vraiment que Banana Abuse ne respecte pas ses adversaires. Tu as 10 HP, je peux te mettre un shuriken. Non, je vais te mettre un ultime. Tu as 10 HP, je peux te mettre un shuriken. Non, je vais te mettre un Ignite. Tout de même, calmons-nous. Je vais utiliser des ressources pour toi. J'en ai pas besoin pour gagner contre ta team. C'est un manque de respect complet. Et 7 cagoles d'avance en faveur, pour le moment, des bras. Nous avons une petite pause technique. Alors, voilà. Je suppose qu'un des joueurs a quelques problèmes. Ça trop arrive. De larmes ont coulé sur le clavier. Et du coup, ça fait un petit court-circuit, malheureusement. Ouais, mais je pense que voilà, on a trop de skill qui est présent sur ce match, hein, bien entendu. Gragas, voyons. Rappelons-nous, mes chers viewers, que c'est un BO3. Donc, c'est juste la première game. On est posé, on est calme. Il y a quand même beaucoup d'action. Dites-nous sur le chat si ça vous plaît, si le commentaire est pas mal, parce qu'il faut savoir aussi, il faut savoir si c'est cool. Est-ce que vous adorez ce Gragas de génie qui depuis tout à l'heure, je le dis, depuis tout à l'heure, ce mec là, il est MVP pour moi. Il a fait tout le taf, ce mec là. Moi, il joue Gragas. Déjà, je peux pas le mettre MVP. J'ai mal. Quelqu'un qui joue ça, c'est dur. Montrez l'action en botlane pour la pause. On ne peut pas revenir. Non, on peut pas. Temps, sinon, on va bug. Ah si. Oh, on peut. On peut, les amis. Allez. Ah, ils étaient encore en vie là, ça y est. Voilà. Le petit move sur la bot lane, Langage qui est fait sur Vayne, mais il n'y a pas de pink ward. Oh, l'ultimate complètement fait de la part de Sona. Et cette ultime de Brom qui touche tout le monde. Les SKT T1 se sont fait outplay, mais complètement, ils ont tout raté. Ils n'avaient pas de pink ward pour une Vayne. L'ultimate de Sona complètement à côté, là où les Sbra étaient très solides. Ils étaient très solides, ouais. C'est clair. On a très bien joué. Alors peut-être qu'une petite pause, parce que peut-être qu'il y a eu un bug, peut-être que Sona avait des petits lags, et c'est ce qui a fait que et là on va retourner en pause, attention, ça va être magnifique. Ah oui, faut attendre les 25 secondes. J'aime beaucoup le mode spec, tu sais jamais trop ce qui va te permettre de voir. Ah mais oui, mais non. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Non mais c'est pas grave, vous avez tout raté. Kappa, non mais c'est génial, ce stream est génial, il est extraordinaire. Ah, on ne vous montre pas ce qu'on commande. Attends. Revoyons ce fight. mais le changement de scène, habituellement, moi j'ai un réalisateur qui s'en occupe. Ah oui, non mais. Ah là là, monstrueux. Voilà le fight qui était cast avec tout qui a été raté, malheureusement, pour les SKT T1 et tout qui a été réussi, évidemment, par les Sbra. Et maintenant, vous l'avez pas raté. Regarde la scène, s'il te plaît. Là, on est bon. Bon, on va arriver au moment et. La pause. Ok, la pause est terminée, on va juste récupérer le bon moment, ça y est. Voilà. On est en live. Nice. Nous sommes en live, tout est bon les amis, tout est bon. Eh oui, on peut être castor LCS et avoir besoin de son réalisateur, nous ne sommes pas habitués les amis. Exactement. C'est justement, c'est peut-être une mauvaise habitude, tu vois. Eh oui, non mais c'est clair, il faut faire par ses propres moyens, être vraiment dans la guerre de la guerre. Où est la bonne vieille époque où tu es en LAN et tu fais ta caméra, tu penses à tes scènes? Oui. Tu vois, moi ça manque cette petite voix dans l'oreillette qui me dit « je repasse sur vous les gars ».
Ah oui, non mais oui. Ça change complètement. Après, c'est plus mon domaine. Tu vois, le mec qui vient en LAN, qui va commenter sa petite LAN de Damoisil Grand, qui fait ses petits parallèles. Sur le Z, ça ne passera pas le Q-Spell. Pendant que sur la botlane, celui-là n'est pas mal dans le game. Il y a un petit peu plus de farm que la veille, mais je crois vraiment que les SKT. Regarde, le Gragas qui revient encore une fois, l'outil qui était très bien mis en place. Et c'était une débandade, les gars, c'est une débandade. Le fight sur la top lane qui est pris, Jax qui est obligé de reculer. Malheureusement, face à Strundle, le dildo qui va passer l'ultimate de Strundle. Et ça y est, on se régène les HP. On va sucer l'HP du Jax qui va pouvoir s'échapper avec un petit dash sur les cris. Malgré que ça soit dégueulasse, c'est vrai que le Trundle avec son ulti hein, qui va mettre la pression. Et Jack qui sait très bien qu'il l'a plus très bien joué. L'engage qui a été mis en place de la part de Z, très bien joué. On a en plus de ça, on a l'arrivée de cette vibe, mais ça ne suffira pas. Le kick a été pris sur Lissandra, très bien joué. Et Gragas qui veut certainement y aller. Brome, petite mise en tente au niveau de l'engage sur cette vibe. C'est compliqué malheureusement, les SKT T1 qui prennent énormément cher dans cette game. On est à quasiment 9k gold de retard. La T1 bot qui a été prise, la T1 top aussi. Et maintenant la T1 mid, on a complètement ouvert la jungle adverse. On a maintenant la vision sur toute la map. On va pouvoir jouer très agressif et potentiellement justement prendre cette vision au baron qui devient capitale à ce moment-là de la game. Ouais, c'est vrai que c'est important parce que moi à chaque fois que j'ai vu des games, en tout cas en amateur, c'est vrai que quand tu prends, en fait c'est les objectifs qui déroulent ta game et le rythme. Attention, l'engage qui a été claqué de la part de Martel, l'ulti très bien exécuté. En plus de ça, Mac Martel qui est présent et Mac Martel qui va certainement encore une fois porter son équipe au mieux et en haut du classement. J'espère les retrouver en finale eux aussi. Du coup les Zbra en finale, les Zbra, attention sur la midlane, la Lumu qui a été claquée de la part de Z, le Pilar qui va passer juste là, Vi qui arrive, Nico pour gêner Trundle qui est obligé de reculer, l'ultime de Vi qui a été claqué, on essaie de mettre quelques dégâts, mais voilà, il y a une petite mésentente du côté des Zbra, je pense qu'il n'y a pas eu de full engage réellement. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu le Trundle qui est venu dans le tas et on n'a pas eu de backup de la part de ses coéquipiers. On va quand même invade au niveau du bleu, on va le piquer du côté de la team des Zbra. Et ça c'est très très bien, c'est très très bon parce qu'on va pas l'avoir sur la Lissandra et c'est quand même assez important sur elle. Un Drake partout, est-ce qu'on va se fight pour ce troisième avec le Falchion de la part de Brome qui va complètement face son Q-Spell, l'ultimate qui va passer sur les deux joueurs. On va se focus sur la vibe pour le moment qui ne survivra pas. Là il sera plus beaucoup d'HP, alors qu'on a un Trundle qui tanque énormément. Le Jax qui met la pression par derrière pendant que ce Z se fait détruire. Et le Jax qui essaye de 1v3 qui va réussir à prendre le kill sur Vayne qui arrive à flash out. De l'autre côté, le Trundle qui est en vie, qui va peut-être bientôt tomber sous les coups de l'Alessandra. Le pilar qui lui permet de s'escape. On a Mac Martel Gragas qui revient. Mac Martel qui arrive, très bien joué. On va essayer de prendre cette Sona qui sustain énormément sa Lissandra. Allez, on a mis le passif, très bien joué. Est-ce qu'on a assez de dégâts? Oui, j'ai bien l'impression, mais là, le retour de la part de Jax qui va arriver pensant à le Trundle qui est présent, qui est toujours là, qui a mis son pilar. On continue. Le coup de bidon qui était mis en place de la part de Mac Martel. Attention, attention, de la part de Jax qui va certainement prendre le kill. Et après le kill sur le Trundle, il reste énormément de points de vie sur ce Mac Martel. Pensant là, on essaie de se régénérer du côté de la part de Jax. On continue. Le coup de bidon qui a été mis en place de la part de Mac Martel. On essaye de s'en aller. Est-ce qu'on a encore un coup de bidon? Ça ne passera pas, malheureusement. Il va s'échapper, ce Jax. C'est monstrueux. Attention, la plaque des morts. Quand il fait courir vite, il s'arrête au gromp. Le Jax y a grillé les creeps. Qui va sans doute tomber sous les coups du Gragas. Le fut, évidemment, le coup de bidon. Attention, ça ne passera pas, mais c'est. Enfin, t'as un Gragas, il commence le fight, il finit, il est full HP. C'est ça. C'est pas compréhensible. Il tue tout le monde, le mec. Le mec est à 8-0. Il est à 8-0. Seems legit. Alors, au niveau des golds, le Jax, c'est plutôt even. Oh, ce Gragas, non, mais c'est lui qui a le plus de gold de la game. Bonjour, je mets 5k à mon adversaire. Ouais. 5k. Tu vois, dans la team, il y a 10k d'écart, il a 5k à lui tout seul. C'est ça. C'est énorme, c'est énorme. Et là, on va passer au deuxième Drake. Du côté des Zbra, on va quand même sécuriser le carapateur. Et attention, on est en train de mettre son TP. On va essayer d'aller sur le Lucian. Pour gêner le Lucian, on va placer le Q-Spell, les ralentis. Et c'est Mac Martel qui récupère un nouveau kill. Pendant que le team de Z est usé sur Asuna qui placera son ultimate, on fait danser les ennemis. Le tombeau de glace sur Z. Le génie, l'ulti qui était très bien placé de la part de Mac Martel. On va continuer au niveau de cette tower. On arrête l'arrivée sur la vie qui va se faire stun du passif de la part de Brome. Très bien joué, il y a tout le monde sur elle. Il y a tout le monde, c'est un gangbang général. L'ulti qui a été placé de la part de ce Brome. Mais qu'allait-il faire dans cette galère? Mais pourquoi Lissandra revient? Le comeback de la part de Jungle Gear qui vient se suicider sur la team des Zbra. C'est compliqué, les Zbra sont bien au-dessus dans cette game. 11k gold d'avance. On va récupérer cette T2 sur la botlane et on a moyen d'enchaîner très facilement sur un baron. Oui, il va falloir faire un baron ou quelque chose qui va déterminer cette game. Et là pour l'instant c'est très
très très sympa du côté de la part des Sbra. Il est à 10-0. Mais arrêtez-le. Faites quelque chose, arrêtez-le. Mais c'est plus possible. Là en fait la game, très clairement, avec tout le vouloir qu'on va pouvoir avoir pour la team des SK T1, ce n'est certainement pas possible de revenir face à un Gragas qui est à 10-0-8. Bah t'as Gragas et puis maintenant on est en late game à peu près, en fait, ce qu'ils ont. T'as Vayne, t'as Trundle. T'as Trundle, bon, il peut prendre 1v4 les gens. T'as Gragas, il peut les prendre 1v5. T'as Vayne, si elle outplay, fait du 1v12. Mais en plus de ça, c'est que même si t'as une possibilité de prendre quelqu'un, de prendre un kill, on a une capacité de disengage de la part de cette équipe des Sbra qui ne permettra pas de continuer de faire une sorte de rouleau compresseur sur la team des Sbra. Donc franchement, je ne sais pas personnellement comment ils peuvent remonter la pente. Pour les SKT1, ouais, ça me paraît très compliqué actuellement. Dans ces moments-là, il faut vraiment que tu te dises, cette game-là, tant pis, on la donne. On réfléchit déjà à une stratégie pour la prochaine game. Et c'est Gragas. Le plus intéressant, c'est ban Gragas de toute façon. Par rapport, il y a eu des bans Zac, des trucs comme ça. C'était des bans un petit peu particuliers qui m'ont laissé perplexe. Est-ce que ça a été réfléchi? Est-ce qu'on a eu une analyse par rapport à ce qu'ont joué la team adverse pendant les dernières games? En tout cas, c'est pas ce que j'ai l'impression. Et on a ce Nashor qui va être pris de la part des Sbra et qui vont certainement finaliser cette game. Ouais, et puis il y a un problème de stuff aussi du côté des SKT1. T'as ce Jax qui part Ginzu Trinité avant de faire le Randuin, alors qu'en face c'est full AD. T'as la Sona qui va jusqu'à la Ruby Saison, qui va jusqu'au bout, alors que normalement on n'upgrade pas l'item avant la fin, parce que c'est pas intéressant, c'est pas cost efficient du tout. Là on voit quelques petits soucis d'optimisation qui n'aident pas non plus les SKT1, c'est un peu difficile. On a récupéré le Baron, on est maintenant à 13 kgold d'avance pour les Sbra. Ouais, et en plus elle part sur un cœur gelé, la Sona, et c'est pas spécialement l'item que j'aurais mis en place. Attention, l'engage directement sur le Brome, il mène tout sur le Brome, mais ça c'est un peu l'erreur, le tick a été mis en place, très bien joué. On continue, Matt Martel, AD, qui va faire un DPS assez constant, on continue avec le Jax. Et on ruine complètement la team des SKT1, qui est venue s'empaler sur... Ils sont venus s'empaler sur les Sbra, enfin là, les Sbra finissent la game, ça y est, c'est terminé. Pourquoi tombeau de glace un Brome? Pourquoi balancer des spells comme ça dans le vent complètement? On a encore l'ultime de Vi, on a encore la Culling. C'est pas normal ce que nous ont fait les SKT1. C'était la fin de la game. C'était le baroud d'honneur. Ils voulaient absolument tenter quelque chose. Ils l'ont tenté sur la mauvaise personne, malheureusement. Ouais, le GG qui a été mis en place, et comme tu le dis très bien, on a vraiment... Tout a été mis sur le Brome, et donc quand un support, on met tout sur le support, c'est que il a géré la chose, il a mis la pression sur la team adverse, il s'est mis devant, ils ont paniqué, ils ont mis leurs ultis, et c'est ce qui a fait que le rouleau compresseur de la team des Sbra a fait que ils ont gagné cette game, très clairement. C'était monstrueux. Le problème, c'est qu'ils ont vraiment réussi à outplay sur toute lane. Au début, il y avait une petite avance au Jax en top lane. Et c'est à peu près tout. On a eu ce Gragas qui a roulé vraiment sur toute la game. Ça a fait le taf, malheureusement. Donc, première game gagnée par les Sbra. Ouais. À savoir que c'est un best of three. Donc, il faut absolument que les Sbra gagnent la deuxième game pour passer en finale, évidemment. S'ils perdent, nous aurons le droit à avoir une troisième game entre ces deux équipes. On rappelle que la finale se déroulera le 23 avril au Melzone. Exactement, le 23 avril, où nous serons présents, on sera présents. En place, sur place. Si vous voulez venir voir le match, boire un verre, faire les deux à la fois, ou faire l'un après l'autre, à voir comme vous voulez, tout est possible. Tout est possible, tout est inimaginable. Oui. Tout est possible. C'est quoi déjà la... Allez, venez et entrez dans la danse. Non, tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la... Tu connais pas? Non, il est chez Gaming et connaît pas ça. Je ne sais pas. C'est la fameuse doctrine de Zaboutine. Ah. Et de Noix. Ah. je regarde jamais de stream, faut le savoir. Ah, oui, ça n'aide pas. C'est vrai. Tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie. D'accord. Ok, c'est pour ça. Ah, du coup, c'est dommage. Là, je me sens un peu. Mais sur StarCraft, tu vois, c'est tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Life. Ouais, moi, sinon, il n'y a rien à jouer tant qu'on joue encore, que j'aime bien sur le. C'est pas faux. Celle-là est très bien. Elle nous vient de notre cher Vinac. Joueur pas porté disparu, je crois qu'il a re-stream récemment. Mais porté disparu de la scène pro, on va dire. Oui, oui. Vinac, qui recommence à faire du stream d'ailleurs. Ouais. Alors, où on en est? Est-ce qu'on va se faire inviter pour la deuxième game? Je ne sais pas. Pas d'invite pour le moment. Pour l'instant, ça reste... Où est Mark Martel? Alors, le capitaine. Alors d'ailleurs, il faudrait qu'on sache, on va leur demander sur le chat, qui est vraiment le capitaine? Est-ce que c'est le Gragas? Ah, il y en a un, c'est McMartey, I avec un I. Ah oui, mais on peut pas le voir, nous. Mais attends, si. Technique ultime, tu regardes qui a été joué dans la dernière game.
Attendez, là on est en pleine investigation, les amis. Et c'est le Dragas. Quoi? What? Mais c'est quoi ce bordel? C'est Evelyn. Vous voyez pas, hein, mais on voit Evelyn. Alors concrètement, voilà, Mac Martey. Ça n'a pas été encore. Capitaine. Ça n'a pas encore été. C'est l'ADC. C'est l'ADC qu'on nous dit. Voilà. Merci Gamus. Merci beaucoup. Ouais. Ok, c'est rigolo. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un jeu concours Alors, je crois qu'il y a un jeu concours, il y a une figurine à gagner. Alors, attendez. Il me semble. On va aller chercher les informations pour vous. C'est de Jinx, hein. On va vous chercher les informations. Hop. Figurine à gagner. Comment ça se passe? Il faut qu'on sache. Je pense que c'est dans la boîte mail. Je ne sais pas. Non. Si. Ah, une figurine de Jinx est en jeu. Vous pouvez rappeler qu'il y a le concours, c'est sur Facebook. Alors attendez, hop, je vous mets le lien évidemment dans le chat. Allez là. On peut ouvrir des coffres extech. Bah non, j'ai pas de clé. T'as pas de clé? Mais j'ai quasiment pas. Tu sais que je joue quasiment plus en fait, j'ai pas le temps. Bah je manque de temps en mort. Et du coup, voilà, là j'ai des coffres, hein, c'est bien, mais. 2 sur 3. Ouais. No key, no key. Je fais que des S, mais je perds aussi. C'est magnifique ça. Incroyable. Ah, mais je fais une game 16-3 avec Riven, je la perds. Je prends, regarde. Il faut que je joue. J'ai joué Mundo, j'ai fait une game dégueulasse. Alors là, si tu veux, j'ai fait une game de ouf avec Riven. J'ai fait une game de ouf, je perds. J'ai fait une game de ouf avec Lucian, je perds. Je joue Mundo comme un débile, je gagne. Et ça me fait vomir. Mundo. Il suffit de mal jouer, mais tu joues des persos de la méta, ça marche. Ça y est, on a été réinvité dans la game. Alors, possible de se mettre. Horde LCS, please. Alors, top. C'est top. Jungle. Mid. AD, sup. Après, il y en a qui n'ont pas spécialement tous les persos, c'est tout. Au moins une des équipes. Oh, bah, oui, voilà, c'est possible. Gagnant du jeu, concours donné dans 2 minutes. Plus Allez, que 2 minutes plus de avant deux minutes. De connaître le gagnant de la figurine Jinx. Il faut spammer. Il faut aller sur le lien. Il faut spammer. Je crois qu'il faut liker la page, liker le post. Et puis voilà. C'est ça, vous allez dessus. Au pire, vous mettez. Alors, on va créer quelque chose. On va créer un monstre. Tu es prêt à créer un monstre? Oh là, je sais pas. J'ai pas trop confiance dans la création de monstres. Il faudra mettre en commentaire hashtag voilà. Non, Gardoum le génie. Oh, attention, Gardoum le génie. Hashtag Gardoum le génie sur la page pour gagner une figurine de Jinx. Et oui, une figurine de Jinx. Donc si toi aussi t'aimes les cheveux bleus, et ben voilà, tu fais ça. Et t'as tout compris. Et c'est génial. Mm-hmm. Et j'aime bien pointer la caméra. Tu parles aux gens. Je parle aux gens. Tu les agresses un peu. Voilà. Agression. Toi derrière ta caméra. Toi, que boiras-tu? Tiens, que boiras-tu au Meltdown 23? Moi, je sais déjà. Alors, moi, il y a un truc que j'aime bien. C'est ils ont un cocktail, le X-Drinker. C'est le seul que tu peux prendre en pinte. Du coup, tu payes 15 balles, mais t'en as beaucoup plus. Et à la base, c'est du rhum ou de la thé qu'il a dedans. Ouais. Je sais plus. Et moi, j'avais été voir là-bas. Je suis c'est possible de remplacer par la vodka. Il fait écoute, à 15 balles, je te le fais. Et j'ai fait ma soirée avec ça. Et j'ai perdu beaucoup et d'argent. Et bien entendu, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, donc à consommer avec... Je m'appelle Gardoum, mais avec... Modération. Avec modération, il n'y a pas de souci. À consommer avec Gardoum aussi. Il n'y a pas de problème. Tout se passe comme on veut. Mais le 23, venez au Meltdown, ça va être vraiment cool. Il ouais. y a une bonne ambiance là-bas, c'est sympa. En gros, c'est simple. Vous imaginez un endroit où on vous donne à boire, à manger. Enfin, on vous donne. Vous achetez à boire et à manger, évidemment. Moyenne en finance, on vous le donne. Voilà. Et vous avez des consoles pour jouer avec vos potes, vous avez des PC pour jouer avec vos potes, vous avez des PC pour jouer avec des gens que vous n'aimez pas, ou des consoles pour jouer avec des gens que vous n'aimez pas. Et il y a la revue après pour ceux qui veulent se taper dessus. Voilà. S'il y a besoin, si vraiment il y a quelqu'un que t'aimes pas. Je pense qu'il devrait investir sur un punching ball. Ouais. Ça ouais, je sais pas. Et tu mets la photo du mec en fait. Tu vois, non, mais c'est là l'intérêt aussi de montrer que les gamers sont supérieurs aux autres. C'est-à-dire que si tu t'énerves sur quelqu'un, tu vas pas le frapper, tu vas le battre. Oui. Et ça, c'est clair. C'est vrai, c'est vrai. Alors, Gardoum, tu parles de vodka là, limite j'ai envie de faire la rouge qu'à Paris juste pour picoler. Bah, mais go! Mais allons-y, gaiement! Allons-y! Vous venez avec Capo, vous dormez dans le canap, NP. Bah, je pense que c'est bon, faut juste leur dire ready peut-être. Je sais pas. Ready, steady, go! Ready, steady, go! Panda, on se voit jeudi, vive Grenoble. Grenoble, et oui, puisque je serai donc au Meltdown de Grenoble du jeudi jusqu'à samedi. Il y en a qui sont invités, il y en a d'autres pas, c'est tout. Allez, c'est parti au niveau de la phase de pick et ban. Alors, est-ce qu'on va faire les mêmes pick et ban que tout à l'heure? Ça n'a pas été vraiment terrible, malheureusement, pour les SKTT1. Je vais te montrer un truc, tu vas voir avec la souris, tu vas être. Montre-moi, je vais te montrer un truc, tu vas. Non, vas-y, tu vas faire la souris, mais je vais te montrer un truc. Bah, c'est contrôle, maintenant... mage, S. Tu vas voir.
C'est génialissime. Oh. C'est génialissime. Et ça, ça va changer ta vie. Peut-être. Alors, moi, je suis curieux de voir ça. Je ne demande que ça. Le blond est un berbe. Oui, c'est vrai. C'est vrai. T'es berbère? Je suis berbare. Je suis barbare. D'un côté, j'ai du sang de viking. Hein. Je suis normand breton. Hein. Ah, mais moi, je suis normand. Ah, voilà, bah, moi, je suis normand breton. Il y a des gens bien, il y a des gens à moitié bien. Alors, j'aime beaucoup les bretons. Alors, du coup, ça fait de moi le mec à moitié bien parce qu'il manque une racine bretonne. Il manque une racine bretonne. Je suis donc le genre à moitié bien là, dans cette situation. Je crois que le 22, je suis à Angers. Donc ça fait jusqu'à Paris. Exactement. Et mon grand, regarde! Qu'est-ce qu'ils ont ban? Ban Gragas. Et ben voilà. En même temps, quand t'as Gragas qui te roule dessus une fois, t'as pas envie de le voir une deuxième fois, ban Jax en face. Claude a quand même mis une belle pression avec son Jax. On le craint, les amis. On le craint, ce Jax. Alors là, c'est vraiment intéressant parce que on voit que bon, on était sur un pic confort de la part de Marteille. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va continuer? Tu vois, Fiora et Zach qui ont un... C'est marrant ça. C'est un truc je sais pas ce qu'ils craignent. Alors, petite annonce, le deuxième BO3 est lancé. Nous sommes dans les pick et ban. Guardian of the Rift vs Factor Niche. Voilà. Ouais, t'as un nom que tu peux prononcer en anglais en mode classe et l'autre, Factor Niche. Moi juste pour le fun, j'ai trop envie que Factor Niche vienne au Meldorm. Hein. Juste comme ça parce que le nom il déchire. Les Factor Niche contre les Zbra. Zbra le Factor Niche. Ça va être cool. Ça peut être énorme. Et donc, Jax, qui, est, comme tu l'as dit, a été ban. Janna, donc mais certainement attends, non, que... Mais... Ah, mais c'est Panda Az. Il y a un problème. Il joue beaucoup de Jax ou quoi? Il est level 4 à peine. Je comprends pas. Pourquoi ils ont ban... Oh, il joue quand même beaucoup de Jax. Il l'a spam récemment. C'est récent, quoi. C'est très récent. Enfin, c'est un silver qui spam Jax. Ouais, ils ont pas Jax. Ils ont craint son il Jax. Il est silver. T'es sûr qu'il est silver? Parce que franchement, il a... C'est peut-être un smurf. C'est peut-être un c'est smurf. C'est peut-être un smurf, hein. Alors, ils ont un grade, il va prendre Evelyn. Eh bien non, il prend Vi. Ouais, Vi. Bah toujours un lock. Echo qui avait été ban sur la dernière phase de pick et ban. Echo, c'est le pick du moment. Oh là 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 là. Ils me font plaisir à la team des SKT1. On a quand même un Nautilus qui va venir avec un S. Un Aze du côté de Jul Jungle Car qui donc va prendre pour son carry AD. Pandas qui pourtant il me semble qu'il est carry AD chez. Ouais, bizarre ça. Mais Pandas, je le connais bien. Il est super sympa, Pandas. Bah déjà il s'appelle Pandas, ça aide, tu vois. Je pense que tous les gens qui s'appellent Panda un peu, ils sont bien. Ils sont cool. Je connais que des gens bien moi qui s'appellent Panda. Bonne nouvelle, mon jeu d'Arsous Roy est arrivé. Je pourrais le télécharger, il joue à minuit. Voilà. Complètement sans rapport, je suis désolé. Mais du coup je vais pas taffer demain pour ça. Ouh. Alors, Léona, c'est le pic, ça fait 10 ans qu'on l'a pas vu et j'adore ce pic. J'adore. Ça met du dégât, ça met de la pression bot, c'est agressif, ça, c'est génial, mais c'est très all-in. Ouais, c'est mon style de jeu. Mais maintenant, c'est vrai qu'on est plus dans des pics confort, genre, bah, le Thresh, le Nautilus, le Brome, qu'est-ce qu'on a encore qui est joué Trundle, des fois, de temps en temps, au niveau Alistar. Alistar qu'on voit énormément. Mais là, si tu veux, j'ai déjà envie de vomir en voyant un compo. Trundle, Nautilus, Ilona. Ouais. Alors, déjà. Comment passer ça tu vois, bah, déjà... En face, t'as quand même Echo, Vi, Ryze peut-être, Thresh. Non, mais passer cette frontline, ouais. Ça va être très compliqué quand même. Hein. Ouais, ça va être dur. Bon, t'as trop engage, t'as l'ultime de Ilona, t'as la grenade ASM, tu mets le pilar un petit peu. Ouais, et Ryze, on va avoir quand même pas mal de DPS. Donc, une compo qui serait dirigée certainement. Alors, beaucoup de dégâts AP, hein, parce que la dernière fois que j'ai fait Echo, il y avait Echo et Lissandra et j'ai dit double, compo double AP, c'est vrai que c'était une erreur, c'est vraiment une Lissandra qui mettait certainement ses dégâts AP, mais Echo qui n'est pas spécialement buildé AP, mais qui a des dégâts AP. Ah, alors, il y a le tirage au sort qui a été... Non, attends, je refais le tirage. Ça, tu vois, c'est ciblé, c'est genre, il y a quelqu'un qui a gagné, mais je l'aime pas, donc je vais pas la faire gagner. Ouais. Non, c'est aussi le fait qu'il a, enfin, elle a bouche à peu près comme moi quand je fais les photos. Ouais, c'est vrai. Ça. C'est vrai. À mon avis, c'est ciblé vers toi. Non, mais c'est par ce que ils ont cru que c'était moi. Sachez que notre cher Vincent a sélectionné quelqu'un, il a dit, ouais, non, je l'aime pas, je vais refaire un tirage. Ouais. C'est exactement ce qu'il a dit, j'ai le message, j'ai le screen, et c'est... Et ça sera mis sur Twitter. Exactement. À part si... Ah mais attends, mais alors je sais pas. C'est ça ou pas? C'est ça ou j'ai pas? J'ai besoin de confirmation pour le tirage au sort. Bah oui, mais t'as dit que tu refaisais le tirage. Donne-nous une info claire. On a besoin d'infos. Sinon, on va prendre le screen, on va le déformer. Et si tu nous payes pas beaucoup à boire, en plus, il gère très très bien Photoshop. Ta réputation est dessus. Ah mais oui. Non, mais je travaille dessus tout le temps. Ah aussi. Bah oui, tu voyais ce que je fais avec Photoshop. Mon dieu. Tu pourrais me faire un physique d'athlète et tout. Tu veux pas un dragon plutôt?
Ah, un dragon. C'est plus facile. J'aime bien, je lui dis, fais-moi des tablettes et tout. Tu veux un dragon? Alors, au niveau des pics, on a quoi? Echo Top, Vi, Harry, Thresh et Vayne. Oh, on voit une Vayne en face. Oui. On reprend la Vayne. Et en face, le Blanc Nid pour mettre pas mal de pression. Tristana qu'on ne voit plus du tout, ça me paraît compliqué tout de même. Une compo qui est très très axée sur le déplacement. Une compo qui est très mobile du côté de la team d'Ezbra. À la fois avec Echo, Vi, hein, Harry. Harry qui est quand même un perso niveau déplacement qui est vraiment avec son que elle arrive Vi en place pour mettre le gank. C'est beau. Elle arrive. Bon, normalement, c'est elle arriva, mais. Elle arrive. Mais elle arrive, tu vois, ça, c'est rigolo, tu vois, ça pourrait. Ouais. Il faudra le sortir. C'est dur aujourd'hui, hein, je crois. C'est... Il y a des blagues énormes. Et des blagues énormes qu'on peut faire, c'était inimaginable. Alors. C'est beau. C'est magnifique. Beau. Magnifique, quand même. Mais ça prend. On a la botlane qui. On avait demandé l'ordre LCS et l'ordre semi-LCS. Semi-LCS, mais bon, c'est pas... Non, c'est bien, c'est quand même pratique vraiment pour. Merci aux joueurs d'avoir respecté cet ordre qui est très pratique pour le cast. La game commence en 3 minutes, on va essayer d'aller voir un petit peu les maîtrises des joueurs parce que nous ne sommes pas en LCS, nous n'avons pas les Kirunes, donc évidemment, oui, bah, on part sur le Grasp of the Undying, la pointe de l'immortel pour heal un peu plus. Les runes de la D, des HP, de la Magic Resist, pas du tout d'armure en effet, face à un Echo, c'est legit tout de c'est même. Ça. Alors, le Echo qui a dû partir sur quelque chose de similaire. Magic Resist niveau 18, de l'AP, de l'Attack Speed. Ok, pour faire proc le passif plus vite, mais après, il y a un CD sur le passif. C'est assez suspect, pourquoi pas. Ouais. Des HP et de la CDR. Beaucoup, beaucoup de CDR. Évidemment, on se maîtrise. Ah, on est quasiment sur le même. Sauf que là, on part pas sur Bounty Hunter, on part sur Oppressor. Ok. Ouais, soit, c'est legit sur Echo, tu ralentis le mec. Pourquoi pas. Hop, au niveau des junglers, masterise les Keystone. Évidemment, la Force des Âges. Et les maîtrises, bon ça, de la CDR, etc. Et de l'attaque speed sur Nautilus. Alors Nautilus Jungle, c'est un pic qu'on n'a pas vu depuis très longtemps tout de même. Mais on le voit plutôt en top ou en support. En top beaucoup, en support un peu, en mid parfois, on l'a vu. On l'a vu au mid. Ouais. Et généralement, mid en fait, c'est pour counter les AP. Avec un rush évidemment de la bannière de commandement, plus du Zroth, et c'était monstrueux. Alors depuis le nerf du Zroth, on n'en voit plus beaucoup. C'est assez marrant. Ouais. Ouais, le Zroth ressort un petit peu quand même en amateur. En amateur. En amateur, ça ressort. Quand on dit amateur, je pense surtout. Je sais pas si tu commentes les underdogs ou pas. Ouais, j'ai fait underdogs et ils leur font un peu le Zroth. Je crois que je l'ai vu une fois. Je suis même pas sûr. Ouais. Tu vois, c'est moi en amateur. On voit la bannière de commandement, mais le Zroth, on le voit plus. Ouais. On le voit plus. Même l'underdogs. Ouais. Alors, on est parti, hop, au niveau des runes, 15% de CDR pour cette Leblanc. Ouh, la violence. La violence des distorsions qui vont être spam avec le Morellonomicon. Alors que pour la Harry, on est parti juste sur de la paix, des runes très très classiques, Magic Pen, etc. Évidemment, Thunderlord sur les deux, le Lifesteal. L'Oppresseur sur Harry quand même pour mettre un peu plus de dégâts sur les bisous. Alors, ah voilà, voilà. Donc, la gagnante, ce n'est pas un gagnant, mais une gagnante. Attention. Pour la figurine Jinx. On entend pour. Je mets des dents comme ça. Tu vois la technique tu fais. Ça fait mal. Ça fait mal, mais. Ah, j'ai mis le micro qui bouge à mort en plus. Grave. C'est pas grave. Je vais leur péter. Donc, la gagnante, les amis, s'appelle Roman Nocent. J'allais dire N pour pas dévoiler le nom, mais. Ah bah. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, c'est. Ton identité est dévoilée au monde entier. Tout le monde peut aller te stalk sur Facebook. Ah bah, tu sais, hein, nous, chez LDLC, à chaque fois, on donne tout. Ouais, non, mais pourquoi quand pas? Quand on est sur Twitter, on donne le Twitter, le Facebook, là où elle habite. Je rigole. Son numéro de téléphone. Son numéro de téléphone. Allez jusqu'au bout. Alors, il y en a que pour les zouz. Ah, soyez pas jaloux, les mecs, montrez vos boobs aussi, hein. Ah ouais. Tu vois, c'est les gens jaloux, genre les mecs. Pas mal, hein. Je ne toucherai pas. Non, mais ils voient pas du coup. Ah, ils voient pas, ah, vous voyez pas. Eh. Oh là, vous avez loupé une paire de pecs. Pop, pop, pop. Ah, les amis, si vous saviez. Le technique qui dépasse là. C'est ouf. Et la game qui maintenant va enfin se lancer. Alors, moi, je suis un peu perplexe de voir cette Tristana botlane. Parce que Tristana, c'est le pic qu'on voit plus du tout. La dernière fois que je l'ai vu, c'était Peko en LPL qui l'avait joué. Il a complètement raté sa game. Je castais avec Nono et Nono fait. Je vois même pas pourquoi il sort Tristana. C'est pas bon actuellement. En effet, Peko a ruiné la game, évidemment. Comme d'habitude, chez les Xiaogu, il a été remplacé pour les games suivantes par Uzi. Ouais, bah c'est comme. En plus, Nono, il joue très très souvent Tristana quand il a un power efficient. Donc, enfin, quand il sent qu'il peut la sortir, c'est vrai qu'on a quand même une facilité avec le jump out, on a l'ulti aussi qui est pas mal, et le DPS qui est en late game avec le, comment ça s'appelle, le canon.
Le passif? Non, le, tu sais, le Fire Cannon. Voilà, le Rapid Fire Cannon. On va pouvoir dépeupler dehors, mais vraiment très très loin. Ouais, c'est vraiment strong. Et surtout, t'as aussi la petite bombinette de Tristana qui fait beaucoup beaucoup de dégâts autour. Ça, c'est intéressant. Après, sur la top lane, c'est marrant le match-up Echo Trundle. Ce que ça peut donner, je suis. Bah, moi, très clairement, Echo qui va mettre, je pense, pas mal de dégâts en early sur le Trundle, qui va arriver directement en contact. Je pense qu'il va être très agressif. On va juste mettre la Léona. Vas-y. Prends ça. La Léona en bas. Ah oui. Ok. Alors, quel est ton contrôle? Ça fait quoi? What the fuck? Ça marche pas ici? Ah ouais, d'accord. Qu'as-tu fait? Alors, attendez, je vais vous montrer un super combo qui ne fonctionne pas. Attends, comment c'est? C'est où? C'est hotkey. Quel était censé être? Ah, mais c'est en anglais! Bah oui. Oh non! Ah, je sais plus faire. C'est quoi normalement? Ah, c'est ça. D'accord. Ok. Eh, c'est pas plus mal. C'est quoi? Ça fait quoi exactement? Et tu peux pas changer avec les. Si, c'est bon, c'est ça. Bah regarde, en fait, tu fais ça. Et tu tac. Ah, et ça ne marche pas si tu ne fais pas ça avant. Voilà. Ah! Tu sais que moi, à chaque fois que j'ai dû faire des trucs à la souris, faut que tu ailles sur les. Faut que tu bouges la souris sur les persos. Voilà. Et tu peux vraiment. C'est smooth. C'est tellement bien. Ah, mais ça peut bouger à l'autre bout de l'écran. Ah oui! Mais, ouais, mais comment je m'arrête sur un perso où je vois plus mon. Bah, en fait, tu fais. C'est très bizarre. Ah ouais, t'arrives pas en fait. Ah d'accord. Ouais, c'est, attends, regarde, c'est bizarre en fait. Je vais te montrer. Bon, regardez, je vais montrer à Gardon comment on fait. Voilà. Ok. Bah, hey, attends pour commenter. Ouais, moi j'avais jamais fait ça comme ça, c'est rigolo. Donc en fait, quand t'es à la top lane, tu fais tac. Là, tu veux aller le jungler, bah il est à côté, bon, ça va rentrer. Ça, tu continues au niveau de la mid lane. Et tu vas aller au niveau du bot, t'as ça. C'est tellement beau. Voilà, donc on peut commencer. Mm-hmm. Nice. Nice! Donc finalement, on commence Strongside du côté de la Vaille. On commence Strongside uniquement du côté des Sbra. Hein. C'est assez marrant d'ailleurs. Les Sbra qui, la game précédente, aussi avait commencé Strongside. Ce qui permet notamment au SKT T1 d'avoir l'avantage en XP. Ouais, c'est ça, l'avantage en XP et pareil au niveau de la bot lane des comment dire des c'est maintenant c'est qui ça? Ah oui, c'est les SKT T1. Ils ont fait les crocs de leur côté. On a directement Thresh qui va se mettre devant. On a une fois de plus laissé tout l'XP à cette Tristana qui a pris le level 2. On essaie de mettre de la pression sur le Thresh avec la bombe qui passe, quelques dégâts mis par la Vayne, la Leona qui vient protéger son carry AD. Et finalement, est-ce que c'est vraiment worth? On se retrouve à 50% HP pour les deux côtés SKT T1. C'est clair, et pendant ce temps-là, en top, hein, regarde, hein, on a eu une petite confrontation entre les deux top laners. Donc rien de bien conséquent pour l'instant, mais je trouve qu'on va avoir toujours ce écho qui va se ramener à chaque fois quand il y a son passif qui va se mettre en place. Regarde directement, il arrive, il engage, mais on a quand même pas mal de sustain du côté du Trundle. La pointe de l'immortel qui fait son taf et qui permet quand même de tenir très longtemps Trundle qui en plus son passif. Le grab qui va passer sur la botlane, sur Shifumaru, le flay aussi, la Leona qui vient se mettre en counter, mais qui ne va pas aller jusqu'au counter engage, hein, qui va pas essayer de rentrer dans le lard de la Vayne. Ouais, très clairement. Ça fait déjà deux grabs hein, qui a été mis en place de la part de Thresh, deux grabs qui a été pas mal et qui a vraiment fait utiliser le maximum de potions autant de la part de Tristana que de Leona. Et comme on l'avait dit juste avant, Leona c'est vraiment un pick early et qui très agressif. Bah, c'est un pick early, et le problème c'est que t'as une Tristana à côté qui prend pas mal dans ce scale. Après, à partir du level 6, t'as un petit combo qui est intéressant. C'est tu mets la bombe, t'as la Leona qui balance tout pour que tu puisses stack ta bombe. Tu fais jump in ultime. Et avec l'explosion de ta bombe, le passif de Leona, ton ultime et tout, t'as moyen de tuer quelqu'un. Mais c'est pas facile à mettre en place, vraiment une bonne coordination entre les deux joueurs. Et regarde hein, directement l'arrivée de la part de Nautilus sur le Echo. On essaye de jump in, très bien joué. Le flash out qui va lui permettre de s'en tirer. Et on va pas mettre à l'abordage pour récupérer le Echo sous tour. On aurait pris quelques dégâts, ça aurait peut-être été risqué. On préfère la jouer safe. C'est intéressant ce que nous montre SKT T1 là-dessus. Ouais, ça a été vu en plus aussi. Regarde en mid, on a l'information sur la vie. Qui allait venir agresser cette Leblanc. Mais ça ne suffira pas. Ça va pas passer sur la botlane. On va essayer de jouer un peu plus safe côté SKT T1. On a autant de farm des deux côtés. C'est vraiment even dans la game. Juste une avance en flash sur la top lane. Et le Echo qui n'a pas back. Le Echo. Il est resté. Il a ses potions corruption. Ouais, de toute façon, tout se passe bien pour lui, j'ai l'impression. Et toujours, hein, des bons dégâts qui sont mis en place hein, sur le Trundle. Il met son passif. Mac Martel qui arrive sur la top lane pour gêner le Trundle, peut-être faire un gank, mais ça va être vu. Il y a une ward dans le tribush, il ne se fera pas avoir le troll. Il ne se fera pas avoir, ça c'est clair et net.
Et voilà, hein, le bac hein, qui a été vu hein, de la part de toute cette team. C'est très important de savoir où se trouve le jungler adverse. Et c'est exactement l'information qu'ils ont. Sur la bot lane, on va essayer de push un petit peu maintenant. C'est un peu l'inconvénient aussi de Tristana, c'est que tu push naturellement. Ce qui fait que tu vas finir par te faire gank. C'est assez dangereux. Le Thresh qui passe le flay, quelques auto-shots. On sustain. De toute façon... C'est even la botlane. Un peu présomptueux hein, le grab qui a été mis en place de la part de Thresh, hein, sachant qu'il y avait quand même pas mal de farm qui était devant, donc pas de possibilité de faire quelque chose. Il a quand même essayé. Peut-être mésentente avec la Vayne, parce que c'est vrai que quand tu joues avec ton ADC souvent, t'attends d'avoir un creep qui est vraiment low et que ça t'ouvre une porte pour mettre ton grab. C'est comme ça aussi que tu as des jolis tricks avec des Lee Sin qui font des Q spell smite. Juste pour brain un peu les gens, c'est pas mal. Le Thresh qui s'avance peut-être pour placer une peine capitale. Oui, il y a des noms comme ça de spells qui sont rigolos. Peine capitale, ah, c'est le grab de Thresh. C'est vrai que je la connaissais, je savais pas. Peine capitale, bah écoute, je le ressortirai parce que... La Grenada SM, c'est l'ultime de Nautilus. D'accord. En parlant de Nautilus d'ailleurs, il est proche de la bot lane. Mais pas de gank possible, hein. Là, ce serait le Oda, il me récupère le Carapateur. Il n'y a pas eu de back du tout pour le moment côté Nautilus, il se fait un peu out farm. Ouais, il se fait un peu à toute forme, mais moi ce qui me dérange, c'est surtout au niveau de cette mid lane, on n'a pas eu de gank assez représentatif de ce Nautilus et de la vaille non plus. Il n'y a rien eu pour l'instant, sachant qu'on a quand même une Leblanc et il va falloir peut-être prendre des kills. Et ça y est, le level 6 d'ailleurs qui vient d'être récupéré sur cette Leblanc. Est-ce qu'on commencera à prendre les trades, la vaille? Ça y est, Mac Martel qui vient invade. Nico, ça a été smite. Le loup a été smite par Nico, il est plutôt safe maintenant et il va pouvoir prévenir toute tentative d'invade de Mac Martel. Ouais, pensons là en top, on continue. On a le Trundle qui va décaler sur la vie. On n'a pas le Echo. Le Echo qui a été un peu plus lent. Attention, les bons dégâts qui ont été mis en place sur le Trundle. Faire très attention. Une vague, ça fait quand même pas mal de dégâts. Ouais, Clouds qui a encore beaucoup de mana. Il a son ultimate de up si vraiment un trade se lance. Il y avait là le blanc qui était pas loin, Jungle Care qui était présent. Alors qu'on avait Banana Abused qui avait back. Donc c'était un peu plus safe du côté des SKT1. Fallait tenter toujours pas de kill en 6 minutes 40. Les joueurs sont beaucoup plus safe que la game précédente. Ouais, c'est vrai que sur la dernière game, on était très agressif hein, de part et d'autre. On est, je pense qu'à ce même niveau de jeu, on était déjà à 3-3. Donc ouais, comme tu le dis, c'est vraiment intéressant qu'on ait passé sur une phase de lane de part et d'autre où on va pas trop se faire de mal. Et pendant ce temps-là, on a l'invade de la part de cette Leblanc. On va arriver. Le grab qui a été bien placé de la part de Nico, très bien joué. Le passif, ah dommage. Pourtant, pour un gank de la part de cette équipe des SKT1, la team des Zora est toujours là, est toujours présente et toujours pas de kill. Et par contre, au niveau du farm, c'est kiff kiff Borico. Hein. Kif kif Borico, comme tu l'as dit, l'abordage qui est passé de Nautilus, et ça c'est assez surprenant. Oh, le flashing, très bien joué. Le grid de Jungle Care qui malheureusement va donner le first blood à Banana Abused, qui avait déjà fait un back d'ailleurs. Je pense vraiment que ça lui a fait beaucoup de bien d'avoir ce manteau de Négatron. Attention, la vaille qui est présente sur la botlane, Mac Martel qui ne va pas aller jusqu'au bout, qui ne va pas utiliser l'ultime. Ouais, il a pas voulu tenter la chose. Pendant ce temps-là, on a utilisé son ulti hein, du côté de Trundle. On a mis quand même un mal. Regarde hein, les dégâts qui ont été mis en place sur le Echo qui a presque plus de vie. Faire très attention, le Trundle qui dès qu'il arrive level 6, j'ai l'impression, il met la pression sur le Echo. Le Echo qui est dans le mal hein, pour l'instant. Ouais, il est pas bon, il est pas bien là du tout. Alors qu'on a Trundle qui a encore le TP advantage évidemment. Le Echo peut tenter le bait à l'ultimate qui permettra de se régénérer quelques HP. Mais de toute façon, petit à petit, il va prendre la rincette en CS. Ça peut être compliqué. Mac Martel qui est présent sur la bot lane. Le Q-spell qui va passer sur la Tristana. On va passer l'ultimate juste après. C'est lock et ça va être un kill récupéré. Par Lisbla, peut-être un deuxième kill en enchaînant sur cette Leona, ça ne passera pas malheureusement. Et regarde, un très bien joué l'ulti qui a été de Vi qui a été mis pour empêcher le dash out de la part de Tristana avec sa roquette. Donc je pense qu'elle aurait pu s'échapper en plus la Tristana si elle avait pas mis son ulti. Donc voilà, très bien joué de la part de cette Vi. Et attention, parce que les bras, comme tu le dis, ils sont déjà à 2-0. Et on sait très bien que ça monte très très vite avec eux. Ouais, ils nous ont montré la game précédente du bon niveau de jeu. Ça va être compliqué pour les SKT1. On va voir ce que ça va donner. Alors on nous annonce le deuxième BO est lancé, 3-0 pour le facteur niche. Si vite. What? BO lancé depuis 15 minutes, 3-0 les mecs. Il y a BO 3-0 5. Non, je sais pas. Ah mais oui, 3-0 en termes de kill. Pardon, hop. J'arrive pas à me placer. C'est les petits bureaux, c'est les petits bureaux.
Alors, sur la mid lane, on a maintenant la baguette explosive qui est up du côté de Banana Abuse. Ça devrait plus tarder pour l'Abyssal. Le Nautilus Nico qui est pas très loin. Il va peut-être rencontrer Mac Martel dans la jungle. Attention, 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 parce qu'il y a quand même la vie. Non, la vie qui va remonter. Très bien joué, l'agressivité de la part de Seth Leblanc. Mais l'arrivée de. Les chaînes étaient réciproques. À l'abordage, c'est parti. On met le passif, la grenade SM. Et on va pouvoir tuer cette Harry, malheureusement, qui n'a plus d'escape. C'est terminé. Leblanc, petite distorsion chaîne terrée. Le flashing de la part de Nico. Et la distorsion de Joe Jungle Care qui permet de récupérer le kill. Ouais, très bien joué de la part de Seth Leblanc qui a mis à mal et qui a bien temporisé au niveau de ses spells pour mettre, bon, comme tu l'as dit, la double chaîne. Le Nautilus qui en a profité quand une personne est. Et lock, ça permet le grab à être plus efficient. Et là, ça a été très très bien négocié. Une très belle symbiose entre le jungler et le midlaner de la team des SKTG1. Ouais, Nico qui fait vraiment une excellente game par rapport à la précédente. Et puis, enfin, qui touche tout ça à l'abordage. C'est vraiment intéressant ce qu'il nous montre comme niveau de jeu pour le moment. Ça, c'était pas par rapport à la première game. Sur la top lane, on se retrouve toujours le petit 1v1 Echo Trundle. À l'avantage du Trundle, évidemment, le Echo peut juste se contenter de farm. Voilà, on prend quelques dégâts, on voit que la poigne de l'immortel est passée, le Trundle font le taf. L'ultime de Trundle qui a été utilisé, on met pas mal. Ah non, même pas, pardon, non. Il a pas été utilisé, autant pour moi. C'est pour te dire, hein, c'est qu'il l'a même pas utilisé et ça fait vraiment très très mal pendant ce temps-là. En bas, j'ai l'impression qu'on a une agression qui se profile du côté de Nautilus qui est vraiment présent dans ses bushs. Malheureusement, on n'a pas eu le grab efficient de la part de ce Thresh. Attention, attention, on est en train de bait. Et regarde, il y a la vie qui est arrivée. On va lock maintenant la veine avec Lona, la vague qui est présente. Lotus Pell qui va passer, l'ultime. On revient sur la Tristana grâce à la lanterne. Et c'est parti, la Tristana qui tombe sous les coups de Mac Martel. On va enchaîner sur la Leona et on va peut-être prendre un troisième kill sur Nico qui se fait stun contre le mur. Les Blacks qui sont complètement au-dessus sur ce move. Triple kill récupéré par cette team. 2K gold d'avance. Ouais, encore une fois, ils nous montrent qu'ils ont la possibilité de mettre à défaut leurs adversaires. On part directement sur ce Drake du côté de la team des bras. J'ai l'impression que rien ne peut les arrêter. Ils sont vraiment déterminés et à chaque fois, de bons ganks et surtout de bons counter ganks de la palle de Mac Martel. Ah, vraiment très très bon, je crois qu'on a le meilleur pseudo du monde sur le chat, Timo in shape. Damn les gens, j'espère que je suis on duty. C'est Captain Timo is on damn. He's on redound. He's on redound. Sur la top lane, beaucoup de pression qui est mise sur ce Echo. Echo qui préfère un move intéressant, c'est air back et faire air. Il se heal en fait juste avec la fontaine et il fait air pour revenir sur sa lane, ça évite d'utiliser la téléportation. C'est évidemment pas le choix. Et si, c'est le choix qu'il va faire, c'est le beau jeu, mais ça ne sert à rien, évidemment, il n'a pas régène assez de HP. Mais c'est le beau jeu, c'est ce que je voulais voir. Et là, le dive de Trundle, évidemment, c'est parti, le pilar. Ça ne suffira pas, on veut pas prendre de risques. Il y a eu le petit brain tout de même qui a été fait. Il a mis son ulti là, par contre, hein, le Trundle, bon voilà. Il va s'extirper, attention pour ce temps-là, en mid lane, on a pris un kill, mais on va tomber du côté de Harry, ça ne suffira pas, malheureusement. Et pendant ce temps-là, on a le Thresh qui a voulu décaler, mais qui est arrivé au mauvais moment. On est déjà à 2-6. Attention, 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 on est quand même à 12 minutes de jeu, ce n'est pas encore fini. Ah, il y a un peu plus d'avance pour les Blacks, la game précédente, ils veulent peut-être snowball un peu plus vite, et là c'est intéressant, ils ont là Harry qui met pas mal de pression, pas loin de 20 CS d'avance par rapport à la Leblanc, alors que sur la top lane, on a vraiment une belle avance pour Claude. Oh, le Flake va passer avec le grab sur la Luna qui se retrouve à 50% d'HP, à l'abordage qui passe sur Mac Martel, le carriadé, Nico qui se fait push, on va essayer de mettre beaucoup de dégâts à cette veine qui ne tombera pas malgré l'ultimate de Shifumaru. Ouais, ça ne suffit pas malheureusement, on l'engage sous tower. Attention, le greffe qui a été mis en place, très bien joué. On va certainement mettre le flair, c'est ça. Et en plus la veine qui prend un kill. Attention, attention à ne pas donner trop de kills à cette veine qui est déjà à 3-0 et qui a déjà sa BOTRK. Ça va être dur de la tenir la veine. Ça va être très très dur. On a le Echo top lane quand même qui prend pas mal la pression, faudrait faire attention. On a le Iceborne Gauntlet, mais ça ne suffit pas pour tenir ce Trundle. Il a vraiment besoin d'un gank de Mac Martel. Mac Martel qui est 1-0-3, il est quand même dans une très bonne game. Il part sur beaucoup de dégâts, il va partir sur la CDR, je pense, pour spam les ultimates. Ouais, pense à regarder en top lane, hein. Toujours le trait. En plus, il n'y a pas eu de mort en fait en top lane. Hein. Ils se sont à chaque fois mis des coups, mais rien de bien létal. Et ATM Clouds qui est déjà au niveau du farm assez satisfaisant. On a 18 de farm de plus. Ça risque d'être compliqué, je pense, pour l'Echo. Regarde le trade à chaque fois. Il a pas mis son ulti, c'est ça qui est ouf. Il fait proc le passif, le Echo, et ça ne suffit pas, malheureusement. Évidemment, c'est les top lane du moment. Les top lane du moment, c'est tu te regardes, tu t'en fous de perdre 20 creep. Attention, le bisou qui va passer sur Jungle Care. On va peut-être essayer de mettre la pression. On évite le double proc de la chaîne éthérée de la part de Banana Abused.
et on va forcer le bac de Jungle Care. Attention là par contre, cette fois-ci c'est Echo qui est en supériorité. Attention. La convergence qui n'est pas passée. Et c'est une pause. Il y a beaucoup trop de pression dans cette game, les amis. Ils sont obligés de souffler un petit peu. C'est très important. Alors qu'est-ce que ça donne, First Blood pour le facteur niche contre les Guardians of the Rift. Ah ok, on nous tient au courant de la game en même temps MP, c'est pour ça. La convergence qui n'est pas passée, c'est compliqué pour Echo. Il y a encore le team de Trundle, il y a encore le team d'Echo. Ça peut se jouer, mais attention, ils sont ready. Attention, ils sont ready, mais surtout attention, il y a la Vi qui arrive et qui est dans la river. Et ça, ça va donner une grosse puissance. Jean-Michel Vaillot, c'est lui, il est dans la river. Attention, le team d'Echo qui va pouvoir bientôt proc. C'est parti, on met le team de Vi pour lock complètement ce Trundle qui se reprend le passif d'Echo. Est-ce qu'on va pouvoir aller jusqu'au bout? Il n'y a pas de Q-spell peut-être pour la Vi, et c'est récupéré par Echo. 2-8 à l'avantage évidemment des Zbra. Il récupère un kill sur la botlane aussi. Peut-être un deuxième kill. On va continuer le trail. Oh, le stun de génie de la part de Pandas qui lui a permis de rester en vie quand même. Ah, c'est dommage. Les Black avaient vraiment montré une belle phase de jeu avec notamment ce Thresh qui a très très bien tanké la tour. Ouais, là on continue au niveau du farm, on est quand même plutôt pas mal, 4-0 hein, du côté de cette veine, ça risque d'être très compliqué pour la dépop. Et on va essayer de prendre cette tour, cette première tower qui risquerait de tomber. Pendant ce temps-là, attention, là Harry qui reste sur le côté, qui évite le décal de cette Leblanc. On va prendre cette tower et on va s'en aller très rapidement, j'ai l'impression. À moins qu'on laisse quelque chose, non, on va le laisser. D'un côté, tu me diras, on est vraiment dans une optique très sympa, puisqu'on a 4-0 sur la veine, on est bien, donc on n'a pas besoin de prendre cette tower, on va garder le match-up. On va garder ce gros, cette avance. Le bronze. Attention. Bronze trap. Ah, mais non, mais ah, non, il y avait du ward. Il y avait la ward, et on a comme Joe qui reste dans le buisson, qui a peut-être tenté de passer une peine capitale. Il faut pas s'avancer. Et c'est parti, le trade qui est engagé de la part de cette Leona. Pourquoi? Attention, évidemment, il y avait la Leblanc qui était par derrière. On a la Vi qui est sur le côté, qui met beaucoup de dégâts. Le Nautilus, la grenade ASM, qui va passer sur Harry, qui est obligé de flash out. On va essayer de mettre la pression sur la Vi qui va tomber. C'est un move à l'avantage. Et SKT, T1 qui récupère 3 kills. Peut-être un quatrième, le passif de Bro qui devrait pas tarder à proc. Le flash in de la part de Jungle Care. Les chaînes éthérées qui ne passeront pas, et on récupère quand même ce kill. Oh là là là, ils reviennent. La compo de la team des SKT1, ils sont là, ils sont présents. Et donc ils veulent revenir à 1-1, hein, très clairement, hein, ils n'ont pas dit leur dernier mot. On est quand même sur une Leblanc, on attendait, on en a parlé en début de la game, on attendait cette Leblanc sur des kills, elle est déjà à 5-2. Et donc la veine contre une Leblanc, et bien c'est ça le problème, c'est que la Leblanc, elle va essayer de la dépop, elle va pouvoir, puisque avec certainement un Rabadon, qui est exactement la chose qu'il vient de prendre, et bien il va complètement dépop cette veine, et c'est quand même un gros DPS en moins. Alors, je suis surpris quand même qu'il soit pas parti sur le Merolenomicon, parce qu'il a beaucoup de CDR en rune. Il aura atteint vraiment le 40%, et là ça aurait été super intéressant pour lui pour spam les distorsions. Attention, le trade qui est pris sur la top lane en faveur évidemment du Trundle qui va mettre beaucoup de pression à son Echo. Le Echo doit absolument... Oh, il a pas fait un coup de poing immortel, il va peut-être tomber sous les coups de l'ultimate. Et... Oh, l'ultime, son propre ultime qui permet de se sauver. Il peut back et TP sur sa lane. Ouais. Toujours l'avantage Trundle évidemment. Et donc en fin de compte, on va avoir la deuxième tower. Et on en parlait hein, tout à l'heure hein, le fait de prendre les objectifs hein, du côté de cette équipe des SKT1. Bah, moi à chaque fois que j'ai vu une ligue amateur, bah, c'était ça, c'est ceux qui prennent les objectifs, c'est ceux qui gagnent. Très clairement hein. C'est pas ceux qui prennent les kills. Ah, mais à chaque fois, enfin, on a eu le TP back de Disperiax qui revient. Low life. Il TP beaucoup trop tôt, t'as l'ultime pari, il revient sur... Alors déjà qu'il est pas en position de force, il revient sur sa lane encore pire. Il a rush la QSS, mais c'est peut-être un peu tard, il pouvait pas la faire avant. Le match-up est perdu, on a quand même une belle avance de la part d'Esbra qui récupère un nouveau kill sur cette top lane. Et on savait donc que le jungler était en top, comme tu le dis, avec le kill qui vient d'être opéré sur le Trundle. Et donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Et bien on fait le Drake. Drake, on va être à un Drake partout maintenant. C'est les SKT1 qui le récupère. Au niveau de la mid lane, le farm, ça donne quoi? Toujours 20 CS d'avance de la part de Manabuse. Attention, la peine capitale qui a été dodge tout de même avec une jolie distorsion. Ouais, de toute façon, c'était contre une Leblanc. C'est très compliqué de mettre un grab sur une Leblanc ou même sur un Ez. Donc, c'est vrai que quand tu le fais et que tu sais où va aller la personne et que tu grabes l'endroit où. Bah, comment ça s'appelle? C'est les meilleurs, les anticipations de grab. Ouais. Ah, quand tu fais des anticipations comme ça, des Mad Life. Des Mad Life, exactement. Mad Life. Je t'en montrerai une Mad Life que j'ai fait
Tu vas kiffer. Moi je suis preneur. Attention, on retourne dans le Q-spell pour récupérer quelques creeps tout de même. On est un peu en retard, on va rush maintenant l'abyssal sur Jungle Care qui est pas très bien dans la game. Il y a l'avantage du sustain tout de même en faveur de Harry sur la top lane. Bah voilà, toujours le petit problème, hein. Echo Trundle, tu ne peux pas tenir ton match-up. La pointe de l'immortel fait beaucoup trop le taf. La convergence qui ne passera pas. On a à peine le shield côté d'Hyspyrax. L'ultime qui n'est toujours pas utilisé de la part de Strundle. Il en a pas besoin. Il en a pas besoin, il fait énormément de dégâts. Regardez hein, le nombre de PV hein, qu'ont les deux top laners. En plus la tower là, elle risque de tomber dans d'ici pas trop de temps. C'est très tendu hein. J'ai l'impression que Martel a oublié son top laner et je pense que mettre le top laner en bonne et due forme contre ce Trundle serait vraiment vraiment profitable pour eux. Ouais, surtout que Echo c'est vraiment un excellent pick actuellement. Attention, le trail qui est pris en faveur de Jungle Care. Banana Abuse qui a été obligé d'utiliser son ultime pour s'échapper. Il y a le Boobuff, ça va revenir assez vite. Mais il faut faire attention, maintenant on est très fragile. Est-ce qu'on ne se dirigerait pas sur un héros de la faille juste avant le baron peut-être pour l'escalade T1? Ouais, en tout cas on a certainement le... Ouais, il va décaler, hein. On a la Tristana qui va décaler sous tower. Pourquoi? Bah parce qu'elle va pouvoir avec sa bombe prendre cette tower très rapidement. Attention, les bons dégâts qui ont été mis en place. La pression. On utilise l'ultimate de la part de Disparek pour essayer de survivre. On se met à quelques HP près, le flash out pendant qu'on a Mac Martel qui met beaucoup de dégâts. Tenklutz qui va récupérer le kill. Et on va permettre un nouveau jump peut-être à Tristana. Shifumaru qui récupère le kill sur Mac Martel. Les SKT T1 qui sont beaucoup trop chauds dans cette game. 2-4 gold de retard, mais ils ne sont pas perdus, loin de là. Ils sont pas perdus et leur compo fait que ils ont possibilité de revenir. Là franchement moi je dis chapeau bain de la part de Shifumaru qui a engagé carrément dedans. Il s'est impliqué sur ce fight et ça bah, ça a pesé dans la balance. Ils ont pris 2 kills contre la team d'Ezbra. Donc très très bien joué de la part du carry AD des SKT1. Ah, il a pas peur le Shifumaru, il a été jusqu'au bout et c'est intéressant pour une Tristana, il faut scale en late game. On va pouvoir aller récupérer le farm sur la bot lane peut-être. Attention Mac Martel et Native Joke sont pas loin. On va essayer de cover. On passe par le tribosh. Mais voilà, il y a 3 personnes du côté d'SKT T1. On a Nico le jungler qui est présent aussi, qui va être vu. On fait le tour du coup. Voilà, Mac Martel qui préfère faire le tour. Ouais, vaut mieux pas, hein, surtout contre un Nautilus. T'as vu le nombre de points de vie qu'il a. Ça va être très très dur à le tomber. En plus, il est vraiment bien au niveau du stuff. En ce temps là, on a loupé un Shutdown. Ouais, Shutdown. De la Harry, c'est vrai que la Harry elle met la piquette hein, à cette Leblanc, alors que pourtant bah, elle est à 5-3, elle a quand même pas mal de stuff. Je sais pas sur quoi elle va partir la Leblanc Abyssal, ouais. Abyssal, mais du coup pas de Morello Nomicon, c'est surprenant. Ouais. C'est vraiment surprenant, ça peut être intéressant pour jouer sur la phase de burst. Le trade sur la top lane qui est placé, le pilar et la convergence. Aucun des deux n'aurait été très utile. On continue avec le Echo, on essaie de faire proc tout de même un peu cette pointe de l'immortel pour sustain. Quand on voit le sustain Trundle, non mais regarde-moi ces HP qui remontent juste avec le passif. Ah non mais ça c'est incroyable, hein. C'est incroyable, hein. Je pense que rien ne peut l'arrêter, surtout pas le Echo, hein. C'est clair et net. Et regarde, directement, on a Larry hein, qui est dans la river et qui va arriver. Ah non, elle m'a fait elle m'a fait mentir. À ta place, j'ai tiré la frappée. Non, je n'irai pas la frapper. Par contre, il y a un engage là très très bien joué de la part. Et Shifumaru qui va tomber sous l'ulti de Mac Martel. On continue sur Panda Az. C'est très compliqué quand cette Vayne est accompagnée de ce Thresh ainsi que cette Vi. Rien n'est fait pour contrecarrer les plans de la team d'Ezbra pour l'instant. Et on va continuer à push cette T2. On a maintenant Jungle Care qui décale vers la botlane. Il y a moyen peut-être d'insta dépop cette Vayne. Ça va être compliqué. Jungle Care qui se retrouve tout seul. Il y a encore l'ultime qui est up du côté de Mac Martel. Jungler, la distorsion qui est placée. Il n'y a plus de distorsion. Ça aurait été le moment d'aller. Disperiax qui prend l'assaut sur la top lane. Cloudz qui chase, qui se heal énormément, qui ne craint rien. Cloudz. Ouais, il craint rien. C'est un peu dommage hein, au niveau de cette top lane qu'on la laisse quand même à l'abandon contre ce Trundle. Attention, le grab qui n'a pas été effectif sur ce coup-ci. On essaye avec le E d'enlever le maximum de creep. C'est vrai que un Nautilus au niveau du clean waves, c'est vraiment sympa. En plus, on a une Leblanc. Attention, la vie ainsi que Larry qui est pas loin. Le TP de l'autre côté, de la part de Trundle qui va flanquer complètement la team. Très bien joué voilà, la part de Zbra. Complètement dans le mur. On va essayer de faire du kiting. La peine capitale qui passe sur Jungle Care. Attention, la grenade à essayer de faire passer sur Bra qui va peut-être prendre la sauce maintenant. On a l'aile, on a carré derrière. L'ultimate qui passe sur Pandas. La bonne protection, la bonne cover. Cette veine est complètement pile. Elle peut shred tous les teamfights. Elle va maintenant détruire Nico. On enchaîne maintenant. Cloudz qui va sans doute tomber sous les coups de Larry. L'ultimate de Echo qui permet de survivre Disperiax et l'escape de Shifumaru plus Jungle Care qui retourne dans le fight. Echo qui dodge la distorsion et qui va permettre le kill de Jungle Care. Mac Martel. Oh,
Dommage, dommage de la part de Native Jokes qui aurait pu, hein, avec ce grab, vraiment faire le move de cette game en prenant dans ses griffes Shifumaru. Ça n'est pas passé. 9-17. On a 8K gold de différence entre les deux équipes. Attention, Trundle qui est présent. Et on va y aller, on va y aller. On prend le kill du Kone de Banana Booze. Attention, le charme. Et le Trundle, malheureusement, qui n'a pas de quoi aller jusqu'au bout. Même un pilar n'aurait pas suffi. La montagne d'immondice, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est montagne d'immondice ou tas d'immondice, un des deux. Ah, je ne sais plus, je ne sais plus. Moi, j'appelle ça autrement, mais je le dirai pas en stream. Regardez la mort de Leblanc, malheureusement. Tu devrais zoomer dessus. Moi, non, je préfère zoomer sur ce skin qui est vraiment magnifique. Elle est vraiment super classe. Ouais. Ça me rappelle un truc, ce skin, mais je sais pas. Moi, ça me rappelle Ragnarok Online, les succubes. Ah, par exemple, en effet. Voilà. En effet. Petit moment, sub. Ragnarok Online. Je crois que tout le monde y a joué. Ouais, je pense. Est-ce que. Tiens, ça serait vraiment sympa de savoir. Est-ce que dans le chat, vous connaissez Ragnarok Online? Est-ce que vous avez déjà joué à ce jeu? J'ai mieux. Ça, c'est pour les vrais anciens, ceux qui ont connu la quintessence des MMORPG, la quatrième prophétie et Dark Age of Camelot. Ah oui, non, mais ça, après, c'est. Là voilà, faut dire papa. J'étais encore dans les couilles de mon père. Hein. il faut le dire. Alors, Mac Martel qui va décaler, on va prendre le Drake. Deuxième Drake potentiel pour la team d'Esbra. Il ne peut pas être. Ah, il n'engage pas, ils prennent vraiment le temps malheureusement. Ça va pouvoir être contesté peut-être par la team d'Esk et T1 qui commence à décaler. On a Nico qui est présent, on met pas mal de dégâts. Cette veine est complètement feed. On a la QSS qui est up maintenant dans son fantôme. Et ce n'est pas volé malheureusement, c'est Mac Martel qui va récupérer. On stunlock, on fait un cumul de CC, peut-être un peu trop abusé. Attention pour l'instant, la Dispariax fait un bon tanking. Les chaînes éthérées qui vont être dispel par la QSS. Et on continue de chasse sur Shifumaru. Shifumaru qui va se prendre le passif. L'ultime de l'ONAC permet de temporiser et l'escape de cette Tristana. Allez, on continue. En plus de ça, Mac Martel qui veut y aller pensant là à Larry qui a pris le kill sur la Leblanc qui était un peu localisé sur le back de la map. Et pensant là, Trundle qui n'était pas présent. Trundle n'était pas présent. C'est ce qui va donner l'opportunité à cette équipe des Zbras de partir sur un Nashor. Trundle qui back en plus pour leur laisser vraiment porte ouverte au Nashor. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Écoutez les gars, j'étais pas là en fight, c'est une chose. Je vous laisse aller au baron maintenant, je reconnais mon erreur. Et là, Harry qui ne sera pas là pour mettre son DPS. Mais pourquoi mettre son DPS tant que t'as une Vayne qui quand même fait très très mal. Et surtout une Vayne. Vayne, le W. Voilà. Ça fait Wayne. Wayne. Et Bruce Wayne. Batman est dans la game. En plus, elle peut s'envoyer la Vayne avec ses ailes. On a Batman dans la game, les amis. On a Batman, regarde, il s'envole en plus. C'est un troll, mon dieu. C'est pour ça qu'il y a autant de thunes. C'est ça. Regarde, on sait à gold d'avance, qu'est-ce que tu fais contre ça? C'est ça. On a tout compris, les amis. Nous avons tout compris. La TA, Desbra qui ne tombera pas. On a comme Joe qui est présent, qui va mettre le buff sur les creeps. Dispariax qui arrive, il est très proche. À côté, on a Mac Martel. Est-ce que ce serait peut-être le baroud final, la guerre finale? On a un power play sur le baron. Bon, évidemment, on n'a pas les stats LC, c'est que le power play, les gold que ça t'apporte. Ça reste intéressant. Ouais, mais quand même, là, regarde, hein, 11K gold de différence entre les deux équipes. On essaye d'engager directement sur le Trundle. Oh, la bonne capitale qui avait été bien anticipée, mais il y a le creep qui a gêné, la convergence qui ne passera pas. Attention pour la ce qui prend pas mal de dégâts. La distorsion de Jungle Care qui ne suffira pas. On ne touchera personne. Et pendant ce temps, attention à Rick qui passe sur le côté. Très bien joué avec la vaille. Très bien. Allez, Mac Martel, il va falloir disrupt. C'est bien joué. Le flash qui n'aura pas lieu du côté de Nautilus parce qu'il n'était pas up. Il n'était pas up le flash. Même pas up, un peu trop tôt malheureusement. La convergence, on essaie de choper quelqu'un sur la tour, ça ne passera pas. Attention, pas mal de dégâts. Ok, c'est pas Mac Martel. La veine fait beaucoup de dégâts. La double distorsion de Leblanc. On a la vaille qui survient très très peu de HP. L'exos qui est mis sur Mac Martel. La chaîne éthérée. On n'ira pas jusqu'au proc de la chaîne. Ouais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la tower, elle est tombée. On va prendre l'inhibiteur. On va mettre la pression sur cette team de SKT1. Que faudrait-il faire, à ton avis? SKGCT1, je crois. Ouais, c'est ça. SKGCT1D. Attention, on continue là sur Dystarias. Le ticket est mis en place pour reprendre le maximum de vie. On aggrave malheureusement la mauvaise Leblanc. On aggrave le double, attention, le trail de Trundle qui est en plein milieu de la mêlée. On va essayer de s'échapper. Le Echo qui n'a pas encore son dash, qui devrait bientôt arriver. C'est parti. Banana Buse qui s'est pris la bombinette de Shifumaru. On va maintenant se focus sur le trash qui a pris énormément de dégâts. Mac Martel AD qui va tomber sous les coups de la team adverse. Et c'est Shifumaru qui fait le triple kill. Oui monsieur, oui madame, vous êtes bien présent sur ce match entre les Zbras et la team des SKT1. Ils sont vraiment impressionnants de part et d'autre. On a une petite remontée des SKT1 avec ce Trundle. Il n'y avait plus rien pour... Et le Zrot. Il y a un Zrot.
Et le Zrot, le Zizi Rot. Je te l'avais dit, je te l'avais dit. Ah non, mais à chaque fois, c'est quand tu commandes des amateurs, ils prennent tout le temps le Zrot. Bon, là, par contre, en botlane, je ne comprends pas. Hélas, parce qu'il y a d'autres items comme un Randouin qui aurait pu être pas mal pour la team adverse, puisqu'on va pouvoir enlever. Là, tu lis le chat et tu vois, c'est vrai que paysan boulanger, c'est stylé. Tu vois, dans la vie, tu fais quoi comme métier? Je suis double classé, paysan boulanger. Attention, le fac est pris sur la midline, beaucoup de dégâts encaissés par Dispariax. La QSS qui permettra de s'échapper. Et on va peut-être reprendre le fight. Il y a pas de gens pour venir cover cette T1 du côté des bras. Il faut faire attention. Ils sont en train de temporiser, mais ça c'est normal. Hein. On a le Nashor, donc on est très bien. Attention, est-ce que ça passe? Oui, le ticket est mis en place en plus avec la lanterne. L'arrivée de la part de Vic qui va directement aller sur Nico, mais il n'y a personne, il n'y a pas de follow de la part de cette équipe des bras très beau. Voilà, capital qui va casser l'abordage qui aurait permis à ce Nautilus de s'échapper grâce au wall. Et ça y est, c'est parti. Cette game me paraît compliquée. On a Distoriax qui va pouvoir retourner à la base, qui va pouvoir TP back. Il faut stopper absolument ce Trundle. Si on récupère ce kill, c'est terminé pour les SKG. Ouais, mais là ils savent pas trop quoi faire. Là c'est un peu dommage. Attention la part de Thresh qui est tout seul. Il va falloir faire attention. Thresh, on Thresh, Thresh Echo qui va revenir. Thresh, Thresh, souvent croise le fer. Thresh. J'ai une musique de fond par podcast, c'est trop cool. Regarde, directement il va faire face au Echo. Très bien joué. Trundle qui malheureusement essaye de gagner du temps à son équipe. L'arrivée de la part de vie pour vraiment mettre le maximum de dégâts et pour éviter quoi que ce soit au niveau du Trundle qui tank quand même pas mal du tout. Mais il tank énormément, enfin je suis surpris qu'il soit allé savoir. La peine capitale qui va passer sur cette Leblanc qui ne pourra pas tuer ce Thresh qui va tenter de s'escape. Le Zrot qui fait le taf. On a toute la team des SKG CT1 qui arrive. On va peut-être réussir à tuer ce Thresh qui va tomber sous les coups des adversaires. Et c'est maintenant Disperiaz qui va peut-être réussir à tuer la Leblanc. Attention, donc il va se faire avoir par Shifman. Pour Brain. Très bien joué de la part de Echo. Ils ont essayé de faire quelque chose, c'était peut-être potable, mais ils étaient pas assez en fait, pas assez de DPS, et surtout qu'il y avait énormément de contrôle en face, et c'est ce qui leur a fait défaut hein, complètement. Hein. Et très bien joué de la part d'Ezbra. Attention, 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 on a le Drake qui arrive dans 30 secondes, il va falloir se recentrer, il va falloir warder un maximum, parce que sinon, la team des SKT1 qui va certainement revenir. Attention, attention, hein. Le Trundle et le Nautilus commencent à être vraiment dangereux, puisqu'on va avoir cette front lane qui va être très très dure à passer face à une Tristana qui a une portée plus effective que la Veil. Ouais, on arrive dans l'aide game pendant sur la Veil qui essaie de mettre la pression. L'ultimate qui va passer pour Locke Nico. Nico qui balance la grenade SM qui flash out, qui va tenter de s'escape. On a Saluna qui arrive par derrière. Pandas qui arrive. Est-ce qu'on a un flash? Le Q-spell qui va passer. Ça ne suffira pas de la passe de McMartain. Ouais, ça a pas push hein, malheureusement, donc on n'a pas la possibilité de prendre encore une fois une tower ou quoi que ce soit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Harry est en train de push en bot lane pour favoriser la prise de Drake. Ça va être vraiment, ils sont bien là, les bras dans la game, 12k gold d'avance. Ils n'ont pas de raison de la perdre, faut vraiment juste qu'ils osent faire un dernier team fight. Après, ils ont moins de front lane tout de même que la SKG CT1. Faut faire attention à ça. Sur la botlane, Larry qui peut pas. Ouais, pour rien faire face à un Trundle en 1v1. Le Trundle qui va bientôt d'ailleurs avoir son gantelet givrant, histoire d'être un petit peu plus ennuyeux. Ouais, ça c'est clair, hein. Quand il va arriver avec le gantelet givrant, il va mettre sa zone et en plus ça va slow le maximum de personnes. On essaye au niveau du top de prendre cette tower le plus rapidement possible. Il y a Harry qui est toujours en bas, ils sont que deux. On n'a que deux personnes en top pour prendre cette tower. Est-ce que ça va se faire? Et ça pourrait être très très fort pour la team des SKT1. Ouais, bon, la tower va tomber. Et les Sbra qui récupèrent maintenant sont à 13k gold d'avance. Sbra, Sbra! Ouais, ça fait très très mal, d'où leur nom. Il va falloir faire attention hein, du côté des SKT1. Oh. Il y a 7 towers en moins quand même. Note le stuff de Vayne tout de même. C'est pas mal, c'est que la Vayne, elle se dit voilà, je fais déjà de bons dégâts naturels, ma team a beaucoup de dégâts, mon but c'est aussi de survivre. Sterak, QSS, Danseur Fantôme près de 60 dégâts, pendant que Disperiax récupère un kill sur la botlane, Banana Blues qui se fait complètement rape. Par là, Leblanc, c'est Shifumaru qui récupère le kill, qui va pouvoir peut-être aller récupérer aussi sur Disperiax. Le nouveau dash qui va passer, Disperiax qui va tomber, alors qu'on a McMartel qui arrive. Oh Anna. Très bien joué de la part de cette vie qui fait complètement un carnage. Elle arrive, elle prend un kill, elle prend deux kills. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? Pensant là, on a pris le Drake du côté de la part de la team des bras. Le bon grab qui a été mis en place. La peine capitale, le flay. Et c'est Nico qui va tomber sous les coups de Native Joke. C'est la game à mon avis. On a cette veine sur la midlane qui peut push. On peut push bot. McMartel, monstrueux dans ce BO. Ouais, monstrueux. Et là, ils vont prendre l'inhibiteur. Je pense pas qu'ils vont pouvoir finir en tout cas. Parce que quand même, on a le Trundle qui va arriver. On a toujours le blanc qui est présent pour mettre les dégâts. Attention, hein, surtout à la veine hein, qui pourrait disparaître
très rapidement. Gérard Majax, si tu nous écoutes. Natif joke, monstrueux, il prend la tour, sans pression, dans la tour, la peine capitale ratée. Mais Mac Martel a complètement one shot. Il n'y a pas eu spécialement de dégâts. Le team de Mac Martel sur Jungle Car qui ne va pas tomber tout de suite, qui parviendra à survivre. On a la lanterne pour s'échapper. C'est Clouzou maintenant qui est prêt à partir, qui va tomber sous le coup de Mac Martel. Adès, un kill de récupérer. On va peut-être en récupérer un deuxième après le kill. Et deuxième kill de Mac Martel. Mac Martel qui flash in, un troisième kill. On va peut-être réussir à tuer Shifumaru. On le crucifix remuant. Nouveau kill. Quasiment ace. Triple kill pour Mac Martel, qui nous a montré une game sensationnelle à 11-2. Il s'en va tel un prince. Tel un prince. Et Mac Martel Jungle. C'est bien, t'as l'impression de parler de Bush Fist et Bush Père. Mac Martel Jungle, Mac Martel AD, qui est à 8-2-14. Incroyable. Oh là là, il continue incroyable. Directement sur Nico. Pas de respect. On va le dépop. C'est le petit fin de game. Nous partons en couille. Légèrement. Eh bien les amis, ce BO était exceptionnel. Ce BO était monstrueux. Les Bras l'ont gagné d'une main de maître. Avec autorité, ils ont récupéré et... Mais j'ai rien fait. Comme si on n'avait pas de retour, hein, t'as genre. Énormément de kills. C'était énorme, les amis. Ouais, impressionnant. C'était énorme. Alors normalement il y a le deuxième BO qui est en cours. Le deuxième match, votre game n'attend que vous. Eh bah très bien, on va enchaîner. Il need l'invitation. Yo, une game, ça te dit Non. Non. Ce n'est pas possible. Need invite. On a besoin d'invitation pour aller dans la deuxième game. On a besoin. Montrez les dégâts, interview, sucez-vous. J'arrive pas, je suis passé sous. Interview, non, parce qu'on a un autre BO à cast. On travaille, les gars, on travaille. Puis là, bon, une interview sans régime, machin. C'est un peu la galère. Là, c'est un peu la galère, les gars. On n'est pas prêt pour ça. Non. On n'est pas prêt. On est prêt pour un deuxième BO. Bon, le BO. Mais est-ce que vous êtes prêt pour le deuxième BO? T'avais pas Roche Dia? Non. Pas cette saison avec la méta horrible. La méta horrible, j'avoue. C'est triste. Je gagne quand je joue Mundo, mais ça me fait chier. Alors, du coup, je joue des persos que je fais des bonnes games ou je perds. Les comptes à ces commentateurs, no interview. Dude, on a autre chose à cast. Vos idées déjà. Non, mais c'est Adria. Salut Adria. Dalaloum. Adria de Adria Inero. Ouais. Ah, enfin, j'ai connu indirectement via Sixen en fait. D'accord. Vos idées déjà, vous m'avez ad. Maintenant, j'ai ad personne. Je comprends pas. Je crains de ne pas comprendre ce que l'on me dit. Ah, c'est Night Dream. Ah, parfait. Perfecto. Perfecto, si. Oh, yeah. Accepté. Yeah. Baby. On va partir du coup. Alors, qui c'est? Hey, c'est la team InShape. Pour ça qu'il y avait Timo InShape. Mais... Et là, c'est Mexis InShape, Evon InShape, Under Ginger et Nish InShape. C'est qui contre qui, en fait, là? Alors, on va voir les teams tout de suite, les amis. C'est les Guardians of the Rift. D'accord. Face aux facteurs niche avec Night Dreams. Donc les facteurs niche sont les à gauche. Les facteurs niche sont à gauche. Et qui a gagné la première game? La première game, je ne sais pas. Qui a gagné la première game? Qui a gagné? Je bah, tu sais peux pas. Leur donner là. Hein. Ready, qui a gagné? Qu'on sache. Hein. Damn les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Pandagardou Gardou, mais c'est un plaisir de cast pour vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, les gens, on va cast le facteur niche contre les Guardians of the Rift. Non. Grave. Comment communiquer un commentateur en deux secondes? Voilà, magnifique. Y a pas de problème. Il est magnifique. Pas de problème. Énorme. C'est eux la première. C'est ok. La première. Donc c'est les facteurs. Donc c'est les facteurs. Eh. On risquerait de les avoir. Eh non, c'est pas les facteurs niche, du coup, c'est Guardians of the Rift. Non. Mais si. Oui. Facteur niche. Dadadou. Mais si, Night Dream, c'est facteur niche. Bah oui, mais c'est ah, pas c'est facteur niche que j'ai ça. Ah oui, d'accord. Ah là là, dommage. Ah là là. Dadadou. Need la game. Désolé, on va partir. Cassez-vous. Ah non, bah non, s'ils s'en vont. Désolé, on va partir. Il y a plus de jeu s'ils s'en vont. Ça ne marche pas, les amis. Allons-y, gaiement là. Bah, ça m'a bien fait triper les petits. Sprah, le kick est pris. Sprah. Sprah.
Cortex des pyramides. Ah non, pas Cortex. Non. Je l'ai rencontré d'ailleurs. Mais il paraît qu'il est super sympa, IRL. Hein. Il est ça. Et ouais, c'est juste un troll sur internet, tu vois. C'est un peu comme Narcus. Narcus, IRL, c'est un mec gentil. Bien sûr. Tu vois, c'est une crème. C'est comme Looney, hein. Looney, hein. Élu quand même sur le forum League of Legends comme étant le pire cancer. Ah ouais. De League of de la communauté, de la communauté Looney française. Gardons, s'il te plaît, avant de lancer la vidéo, fais de la pub pour One. What? Pour moi, Zer. Mort de rire. What? Souras et ma chaîne YouTube. J'ai déjà fait Dan. Voilà. Ok. Ok. Ouais. Tout est serait vraiment Thibaut InShape qui joue? Bah écoute, peut-être. Attends, ce serait tellement beau gosse. Ce serait tellement beau gosse. Alors, attends. Regarde une vidéo sur le stream. Non, mais non, on peut pas, on a mais pas Dieu, le droit. Dieu, on Dieu. A pas le droit. Faut payer là, le Student Gaming Club, il va demander de l'argent si on diffuse ça. Ah oui, grave. Mais c'est quoi ça? Je sais pas, je préfère pas regarder. Ah non, non, attends, moi, on va le mettre, mais sans... sans son. Sans son. Comme Véronique. Waouh, c'est beau ce ralenti en gris. Damn, les gens, c'est niche in shape. Petite vidéo pour lose la première game. Est-ce qu'il y a des meules? Des meules énormes. Oh, mais oui, non, mais c'est. Oh, le troll, voyons. Oh, c'est sur l'ancienne map en plus. Ouais, mais c'est long, hein. Ah oui, c'est très long. Oh, c'est très long. On n'a pas le temps, hein. On n'a pas le temps. On l'attend où? Bah non, 5v4. Rappelons un peu les sponsors quand même, puisqu'on a le temps. The sponsor. Les sponsors. We are Monster Energy, because you need energy. Et dans le cocktail ex-drinker Meldon, c'est The Monster. Exactement. Donc, il faut le prendre. Et d'ailleurs, le Meldon est aussi un de nos sponsors. Incroyable, c'est génial. Et au Meldon, vous pouvez jouer. Donc vous jouez sur des serveurs Very Games. Après avoir beaucoup joué, vous êtes exténué. Vous rentrez donc chez vous en Uber. Exactement. Et une fois que vous êtes rentré chez vous, vous avez envie de jouer, d'avoir des figurines que vous achetez chez Fun Kingdom. Oh là, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Je n'ai pas de mots. Tu veux que je te vends un caillou? Je te vends un caillou, moi. Bah non. As-tu besoin d'un caillou? Un caillou, ça sert à tout. Dans la rue, un mec t'agresse, t'as un caillou, ça fait vachement plus mal qu'un coup de poing. Non mais attends, ça fait plus mal qu'un coup de poing. Ça permet aussi, si tu le mets dans une couette que tu vas laver, d'éviter qu'elle se tasse comme dans les doudounes. En plus de ça, ça coûte pas très cher, je te vends un caillou 2 euros. En fait, on est en hypoglycémie, hein, il faut le savoir. Tu veux des Raffaello? J'aime non, je suis allergique. J'aime pas notre coco, moi, ça passe pas non plus. Ah, ça passe pas? Ah non, c'est... Là, mon estomac, il fait une allergie, genre... Alors, est-ce qu'on est sur la bonne scène? Oui, on est sur la bonne scène. J'ai fait le changement et tout, regarde. Non, mais wow, qui c'est qui dit ça? Mais quel professionnalisme! Incroyable! Ah, c'est beaucoup d'entraînement. J'ai appris aux côtés d'un grand mec qui s'appelle Pandaren et tout. D'ailleurs, fais ça pour l'intégration de Uber en fond. On voit pas du tout le logo. C'est pas grave, on l'a prononcé. On fait comme on peut. Voilà. On fait avec ce que et on fait. On les nomme en plus, donc ça. What? Pourquoi on... Ah d'accord, ah, c'est vrai qu'on n'est pas avec les mêmes teams. Bah, j'étais encore dans le... Non, non, c'est un autre BO là, c'est la team DAMN InShape. Je crois que je vais faire des DAMN à chaque kill. Oh my DAMN, ils ont fait oh my god, oh my goodness, oh my damn, oh my goodness, they're going ham. This is how bacon is supposed to be. The fries, they bend so perfectly. DAMN Genre, on va faire du beatbox. Voilà le nouveau duo Gardoum Panda. En tout cas, on va partir sur cette game. Pardon, on est en train de péter un cap complet. Echo, Gragas, Leblanc d'un côté, du côté des InShape. Non, c'est pas des InShape. Mais non, c'est pas les InShape. C'est les facteurs niche. Les facteurs niche. Facteurs niche, InShape, Factor. Contre les Guardians. Niche, InShape. Bon, je vais dire les facteurs contre les Guardians. Ouais. Ça sera plus ça. Les gardiens des facteurs. Les gardiens des facteurs. Je garde mon facteur actuel. Mon facteur, il arrive, vient livrer ton courrier. Il a un garde avec lui. Vous êtes qui? Je suis gardien des facteurs. Bah, au cas où, il y a des chiens. Tu veux dire que vous cherchez les chiens de gaming? Oh, tout est lié. Dommage qu'on n'ait pas nos têtes quand on commence parce que les gens ils pèteraient un câble. Alors, en face, Ban Shivana Notus Fiddle. Attends, on a vraiment ciblé Evon. Je crois qu'on a ciblé Evon. Est-ce que Evon, c'est le jungler? Non, ça a l'air d'être un jungler, Evon. Non, pas vraiment. Qui est le jungler? Parce que du coup, ils sont pas mis dans les bons trucs. Qui est le jungler? Ah oui, bah oui, Ban Fiddle, je suis pas étonné. Est-ce qu'il a d'autres persos? Bah, Shivana, ok, ouais, en fait, ils ont ban tout pour lui. Darkus is at you. Alors, get yourself a double cheeseburger. Oh mec, me lance pas là-dessus, chaud. Alors, oh! Le Urgot que l'on a vu hier dans le BO. Polo le Bulo. On l'a je vu dans. Je connais ce mec, Polo le Bulo. C'est comme un gamin, il va son copain. Mais je connais Polo le Bulo, j'ai jamais vu. Je te jure, je l'ai déjà vu ce mec-là. Enfin, je pense. Il est génial ce mec.
Alors, Jin qui a été first pick, on va prendre aussi Vi, qu'on voit pas mal dans ce BO, et Morgana qui ira sans doute en support. Alors, Urgot, c'est marrant, c'est que ça a été pick hier, en fait, dans le BO, quand Febivan, justement, a pick son Z. Si, je crois que c'était ce match-là, où en face, tu as eu notamment un Urgot qui... Non, c'était hier soir dans les TSM Immortals, pardon. TSM Immortals, et on a laissé le Z a été laissé à Birxen, et en face, les Immortals sur la mid lane. On a eu un Urgot instant lock, quoi, dès que le Z a été pris. Enfin, voilà. C'était en last pick, du coup. Mais... Moi, ce que j'aime, par contre, dans la compo des facteurs, c'est cette vaille accompagnée d'une Morgana sous Black Shield. Godlike. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tu veux prendre quelqu'un, il n'y a personne qui t'arrête. Il n'y a personne qui t'arrête, le Black Shield qui va permettre d'interrompre tout ce qui est CC. Et d'un côté, hein, c'est ce qu'on a, hein, on a le Brome, on a le Urgot là qui va... Mais le Urgot, il peut être disable par Black Shield, je ne sais pas en plus. T'imagines, ton ultimate, ça tape à côté des gens, mais tu ne tapes pas le mec adverse. C'est ça. Tu ne tapes pas que t'es des méchants, genre t'as Black Shield. T'as de l'armure en plus, mais... Et là, tu dis, oh shit. Oh shit, I do that. Harry. Encore Harry, hein, couvert. C'est encore une team qui est vraiment sous le signe de la mobilité sur ouais, la mobilité avec Urgot, c'est un peu chaud quand même. Après, seulement Urgot, mais pour l'instant, entre Rek'Sai et Harry. Ouais, Rek'Sai et Richard. Rek'Sai, il paraît qu'on voit plus trop, on voit une fois de temps en temps, ça fonctionne toujours bien. Un Teemo, est-ce qu'on aurait Teemo in shape? Teemo in shape! Teemo in shape! Teemo in shape! Teemo in shape! Teemo Insane. Insane. Ah, c'est Insane. Bah, moi, c'est Insane, okay. Hein. Ok. Teemo Insane. Teemo Insane. Body or young man. Ouais, mais non, tu vois, ça chauffe pour carrément autre chose, du coup, là. Tu peux pas faire ce rythme et te chauffer pour Teemo Insane. On est complètement barge. Jana. Ça va être dur, en mec. What the fuck? Ah non, j'ai eu trop peur. J'ai dit, mais y'a pas d'ADC. Parce qu'en fait, j'ai eu le jungler en fin de compte, ouais, d'accord. Donc, on aurait une bot lane, Janna Jhin. Mais sur le quatrième shot, ça peut être tellement violent. La violence de l'œil du cyclone et de la dernière balle. Ça va être incroyable, ça, j'ai hâte de voir. Poppy Top qui va se retrouver face à un Sion, qu'on commence à revoir un peu, c'est assez marrant d'ailleurs. Sur la mid lane, ça va être une Morgana qui ne craint rien face à Harry. C'est ça. Clairement, elle s'en bat les steaks de la Harry, elle va mettre sa thermodite et voilà. T'as mon dit Black Shield, putain, je commence à connaître le nom d'espèce. C'est ouf, hein. Ah, mais c'est rigolo quand même. Alors moi, je suis encore à Black Shield, hein. Je connais pas le vrai nom du Black Shield, tu vois. Bouclier noir, si, je crois que c'est ça. Bouclier noir. Mais la thermodite, tu vois, et tout. L'œil du cyclone de Janna, la mousson. La mousson, je savais. Bon, Poppy. Parce que la tornade, c'est Hurricane, donc. Tornade, peut-être. Je sais pas. Je sais même pas. C'est une bonne question. Ouais. On va voir. Allez, mes potes. L'ADC, il joue en jogging ou en jean? En short. Bim! Oh là là, mais tu viens de le casser. Je t'ai cassé. L'ADC, je t'ai cassé. Alors, par contre, je suis curieux de voir ce Urgot bot lane avec Brome, parce que finalement, tes Q-spells, normalement, ne font pas proc le passif de Brome. Et du coup, Urgot, qui n'a que 425 de range, va devoir aller très proche des adversaires de Jhin pour mettre le passif de Brome. Enfin, c'est un petit peu particulier. Après, évidemment, tu fais ton ultime sur Jhin, qui n'a pas d'escape. T'as Brome derrière qui met l'ultimate, c'est free. Mais c'est chaud. Pourquoi Brome a été choisi, très clairement, c'est que le first pick était Jhin, et Brome contre Jhin. Bah, tu peux rien faire en fait. Le Jhin ne pourra pas mettre son ulti, il sera pas efficient parce que Brome va mettre son shield. Il va essayer. Il va essayer. Il aura des problèmes. Mais il y aura, voilà, exactement, énormément de problèmes. Il y en a qui ont essayé. Comment ? Il y en a qui ont essayé. Et ils ont eu des... Problèmes. Et ouais, non, mais voilà, hein, après, le Brome a été pris insta. Après, c'est vrai que c'est dommage d'avoir pris un Urgot, sachant qu'on avait Lucian qui était... Qui était OP, quoi. Bah ouais, il y avait Lucian open. Alors, Urgot, est-ce que c'est un pick qui joue souvent pour le Lobulo? Je suis un peu curieux. On va voir. Ah bah ouais, ok. D'accord. Ok, 104k sur Urgot, très bien. H105k, j'aime beaucoup H. Je suis pas con, j'aime pas Urgot, mais j'aime beaucoup H. Le mec, ah, il a gagné la game précédente avec Urgot, ils l'ont laissé l'Urgot. Pas il énorme, a fait 5-3-5. Tiens, on va regarder les stats. On peut regarder les stats de la game pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc on a. What? C'était un Urgot mid? Polo Lobulo qui était mid lane avec son Urgot. On a eu en carrière des Galactic Pup. Ah, mais non, ça devait pas être cette game. Non, c'est pas cette game. Ça devait pas être cette game, justement. Ah, c'est vraiment dommage, on n'a pas le bon historique en fait. Tu vois, parce que ouais, ça c'était Ranked Game. Très bien, ok. Les games tournament ne s'affichent pas. On s'ébraine tout seul et je me dis, putain, mais le nom des autres joueurs, ils ont changé toute la team, les gars. C'est clair. Complètement. Alors, match-up top lane qui se retrouve donc en bas de l'écran. Poppy Sion. Alors, Sion, j'en ai pas vu depuis longtemps. Je le mets pas devant Poppy, je le mets pas derrière. Je pense que c'est plutôt Yvonne comme match-up.
Je pense que ça va être plutôt even. Au niveau de la jungle, alors par contre, je donne un petit avantage à Vi qui a des ganks un peu plus percutants. Et bien, ouais. un gros punch, quoi. Et te percute en arrivant, c'est un gank percutant. Ouais, c'est exactement, c'est ça, et surtout par derrière, c'est toujours effectif. Bah, là où t'as finalement Rek'Sai qui arrive en se déterrant, c'est un gank qui déterre. C'est ça. Tu t'en fais souvent des trucs comme ça. Non, tu vois, ça vient sur le ça vient d'un coup. Bam. Je sais pas, je te donne envie de blaguer comme ça d'un coup. Ah ouais, mais en fait, tu vois, il y a des mecs, des fois, ils me disent, ouais, dans tes vidéos, t'es pas drôle. Il faut venir en stream, les gars, faut venir en stream ou en cast. Faut venir au bon moment, là. C'est là que tout se passe. Exactement. Mais venez au Meltdown, ça va être drôle. Ah bah, ça va être marrant. Je pense être. Bon, après, moi, je vais faire du mal parce que il faut faire que je fasse l'animation. Mais sachant, ah oui, il faut savoir aussi au niveau du planning, il faut savoir que ça commence à partir de 18h. Ah ouais, ouais. Ça commence à partir de 18h, je suis du 16, go. Moi je suis à partir de 22h, NP. Ah ouais, toi tu viens... Ah ouais, je viens casse. Le mec ne me supporte pas du tout. Je viens casse du Geek of Legends. Puis bah avant l'après-midi, tu vois, je suis à Distant World. Ça, tu peux pas me dire que je vais à Distant World comme mec, c'est cool. C'est quoi? L'orchestre symphonique qui joue une musique de Final Fantasy. D'accord. Voilà, déjà t'as Nobuo Uematsu sur scène, tu fais yes. D'accord. Il y a une des musiciennes qu'on connaît. Oui, bah oui, j'ai vu ça, mais enfin, je la connaissais pas. Elle m'a dit sur Twitter, j'ai fait what? Et ouais. Il a failli y avoir un peu un de mes viewers qui allait jouer là-bas, et en fait, non. Ah, bon, maintenant, c'est pas. J'étais un peu déçu. Et juste après, il y a la soirée des 3 ans de LOLFR au Bellucci. Ah. Enfin, la soirée, la fin d'après-midi. La fin d'après-midi, ok. Et le soir, on va se retrouver pour la Stun on Gaming Link au Meltdown. Donc, ça va enchaîner. Tu disais donc, il y a Counter-Strike. Counter-Strike dans un premier temps. Nous allons avoir après du Hearthstone. Et en finale, bah, le meilleur pour la fin, comme d'habitude, League of Legends. La Ligue des légendes. Exactement. Avec des casters légendaires. Exactement. Des cocktails légendaires. Des burgers légendaires. Des joueurs légendaires. Et des spectateurs légendaires. Il y a beaucoup de trucs légendaires quand même. C'est ça, mais c'est ouf, hein, on croit. Alors, si on n'a pas au moins un légendaire dans la game, je serais déçu du coup en finale. Ouais. Par contre, on n'a pas regardé le niveau des gens, mais là on a du triple quadra diamant plus platine face à double diamant. C'est beau en fait, tu vois, c'est bien deux diamants, deux plates, un gold. C'est beau. C'est centralisé. C'est ça. Tout est centralisé vers la Morgana. Ça veut dire que la Morgana va tout faire. Moi j'aime les burgers. Tout le monde aime les burgers. En même temps, qu'est-ce qui est meilleur que. T'as du pain, de la sauce, des oignons, du fromage et de la viande. Et bacon potentiellement. Déjà, tu fais fromage, viande, sauce, c'est un des meilleurs mélanges au monde. On est parti dans cette game, ça y est, on met tout le monde en face. On a toujours Panda à la caméra. On peut l'appeler Pandamera ou Kameda. Kameda, ça sonne un peu, tu vois. Japonais, c'est pas mal. Kameda, Samsamida. Alors que si tu fais Kamanda, tu vois, ça fait plus féminin, c'est moins cool. Ouais, ouais, ouais. Je retiens que tu aies pensé à ça. Ouais, non, mais tu vois, faut faire attention à tout dans la vie. La Morgana, niveau de diamant. C'est la pause. Une petite pause, les amis. Le temps de se prendre un petit shaker. Évidemment, de manger un petit riz d'Inde. Ah, tu connais pas Thibaut InShape, c'est pour ça. Non, mais du coup, il peut pas suivre si je parle de paire de meules énormes. Si, bah si, ça, tu vas suivre, effectivement. Mais attends. Il y a la souris qui bug. Après, c'est la Poppy qui a un problème de souris. Poppy, de toute façon, ça demande pas beaucoup de choses. Elle s'est faite nerf, notamment au 6.7. Sur un point très important, c'est la range de sondage qui était un peu trop élevée tout de même. J'étais troll depuis tout à l'heure en fait. Oh, ça y est, moi je parle, je suis chaud. C'est quand la finale? C'est le 23. Le 23? Oh, Meldin! Je vais faire, tu vois, capuche on Nobonobo. Ah non, non. Je ne vise personne. Non. Gardoum! Un peu de respect, voyons! Toujours beaucoup de respect. Il a toujours beaucoup de respect. Toujours. Attends, j'ai dit Kameda au lieu de Kamanda. Kameda. Non, mais j'aime bien, tu vois, ce truc un peu japonais. Bah, c'est genre Samsamida. Ça c'est vraiment. C'est Samgamji. Samgamji le brave, s'il te plaît, respecte-le. Samgamji le brave. C'est lui qui a porté Frodon. Si je ne peux pas porter l'anneau, je peux vous porter vous. Ça ne te dit rien? Ah mais non, c'était un. C'était le bait. Alors en fait là, je il y avait plus de pause. Et là, c'est génial, tu nous as mis là. Ah bah oui, c'est parce que j'ai pas mis la même scène, mais je pouvais depuis. Ah mais c'est, pas mal. Ah mais non, mais ça. Ils vont nous voir nous tirer les cheveux. Ça je pouvais depuis tout à l'heure, mais je me dis qu'il fallait pas. Mais on est toujours en pause, les amis, toujours évidemment. Est-ce que ça vous plaît de nous avoir pendant qu'on commente, hein? Parce que si vous voulez, on nous enlève, hein, très clairement. Oui, on peut. C'est pas compliqué. On peut s'enlever, on peut. Alors, c'est monsieur et madame. Non, c'est monsieur et madame, ils ont pas de fils. Ah, génie. C'est
type, c'est un génie, mais de ouf. C'est un génie, ce mec. C'est vrai que Hang à l'envers, ça fait Nia. Ah, est-ce que tu connais l'histoire? Alors, t'as une chaussette, tu dis une chaussette. Hey, tu feras attention, t'as une banane dans l'oreille. Comment? T'as une banane dans l'oreille. Comment? T'as une banane dans l'oreille. Parle plus fort, j'entends pas, j'ai une banane dans l'oreille. Et j'adore ce genre de blague, c'est débile. La game qui est repartie, les amis. Ça y est, on est reparti. Oh, putain, ça fait tâche. Oh, on fait bon, une tâche. Bon, on s'enlève. Allez, c'est parti dans la game. Attends. What? Ah, non, là tu viens de l'enlever justement, je crois. Ah oui. On est parti, du coup, il n'y a pas d'invade ni d'un côté ni de l'autre. On va essayer de rester plutôt even. La botlane qui va aller faire le gromp, alors que l'autre, finalement, on va commencer strong side du côté du facteur niche. Alors que du côté des guardians, on va commencer plutôt weak side pour le jungler. Exactement, on attend patiemment que ça se passe du côté des facteurs. Facteur niche, ça me perturbera tout le temps. Ça me perturbera tout le temps les crops qui vont être commencés de la part de cette bot lane ainsi que le jungler des facteurs niche. Donc voilà, on va aider le jungler et en espérant qu'il va venir les aider au plus tôt. Ce serait pas mal pour eux. On a le dernier shot qui va passer de la part de Nichin Shape. Damn, les dégâts qui sont mis. Ça a été nerf hein, quand même, il me semble, la grenade, c'est ça hein. La grenade était nerf. Ouais, Jin s'est pris pas mal de nerfs dans la tête, mais bon, effectivement, avec l'œil du cyclone de Janna, ça va quand même faire pas mal de dégâts, je pense. Ouais, voilà, il a vraiment bien push la wave. Attention, on a Zedicus qui est au niveau du bot. C'est le premier sorcier dans l'épée de vérité, Zedicus Zul'Zorender. D'accord. Voilà. Et c'est aussi le capitaine de l'équipe. Accessoirement. C'est le premier sorcier, ça m'étonne pas, tu vois. D'accord, c'est normal. C'est le grand-père de Richard Rall. Un peu de culture, bon Dieu. D'accord, les livres de Terry Brook. Pas de problème. Pendant ce temps-là, on a Morgana contre Ahri. Pour l'instant, on a quand même pas mal de pression que met en place l'Ahri. On le voit très clairement. Elle a un peu de mal, la Morgana. Mais bon, après, quand ça flaque et level 3, je pense que c'est... Ouais, c'est ça. C'est quand t'attends en fait le level 5 de Morgana pour avoir la thermodite level 3. Alors, tiens, comment s'appelle la cage, s'il te plaît? Mets sur Morgana. C'est un Locus Spell de l'Ahri qui va passer. Non, la cage de Morgana. C'est Binding quelque chose, je crois. C'est Locus Spell. Ah. Dark Binding. Ok. Alors attention, le shield de Dobro qui va bloquer la munition de Nichin Shape. Sur la top lane, vous avez que sur un petit avantage quand même, pas mal de pression à la poppy. Oh, attention, là directement l'arrivée de la part de vie, on en... Alors ça c'est... Le flash-in de Morgana qui met la cage instant. C'était magnifique. Alors ça c'est vraiment génial de la part de Morgana, il y en a beaucoup qui le font, le flash-in cage qui... Tu peux même pas l'éviter en fait. Mais c'est beau. Enfin, tu peux pas l'éviter. C'était inattendu, mais c'est beau. La Poppy qui prend une grosse pression. Attention, il y a pas de E-up sur Sion. Ça va revenir, faut faire attention. Cette Poppy qui va peut-être tomber sous un petit creep qui va lui sauter sur la tête. Non. Que Sion va lui envoyer pendant que sur la botlane. Il y a un trade qui est pris à l'avantage des Guardians. Ouais. C'est chaud pour les facteurs niche. C'est vrai que comme, vu qu'ils sont pas mis dans l'ordre, c'est vraiment un peu compliqué au niveau de la caméra parce qu'il faut regarder avant chaque chose. Attention, hein. Par contre, la Poppy qui va avoir son shield en main, là c'est très très fort de la part de Rek'Sai. Qui est prêt pour le gank, et ça y est, le flash in, le numéro, et c'est un kill récupéré par Speedul sur Night Dreams qui est donc le capitaine de l'équipe des facteurs niche. Exactement, très bien. J'ai bien pris ma leçon. Il a appris sa leçon, c'est très très bien. De sa part. Pourquoi C'est bien de parler du son quand on fait du bruit en plus. Exactement. Oh là là. C'est ouf. Ce mec est ouf. Sur la botlane, il y a le double de creep en faveur d'Urgot. Alors ça, c'est surprenant par contre. Urgot qui normalement a pas trop de range. Il y a que le Q-spell. Pas mal d'oppo qui est mis en place de la part de Zedicus. Le premier sorcier qui va bientôt déchaîner son feu de sorcier, les amis. Attention. Paul le Bulot qui se retrouve seul sur sa lane. Qui n'a pas encore mis de grenade pour l'instant sur Nichin Shake. Et s'il arrive à en mettre une, ça pourrait être pas mal. Il me semble que sur le passif de ce crabe, c'est. Waouh là là, les dégâts incroyable. Et un dernier Q-spell, allez, l'œil du cyclone qui a quand même permis de temporiser un petit peu, mais ça ne suffit pas. Le passif qui réduit les dégâts de l'adversaire que tu frappes. C'est 15%, il me semble. Si ouais, si et du coup, si tu cumules ça avec un petit danseur fantôme, c'est ouf. Bon, danseur fantôme, c'est nul sur Urgot, c'est dommage. Oui. Mais bon. Attention pendant ce temps-là au niveau de la top lane, bah Poppy qui s'en sort bien par rapport à tout à l'heure où c'était un peu dommage. Tu connais pas la chanson? Non. Poppy. Ah oui, non, ça c'est Poppy. Attention, le tampon sur le creep,
C'est dommage, c'est un petit peu raté de la part de Poppy qui a loupé le gros sion en faveur du petit sbire mêlé. Au niveau du farm, c'est plutôt even, on a comme une belle avance, plutôt even pour l'instant, hein, le sion a comme quelques creeps par exprès supplémentaires. C'est un match-up que je connaissais pas du tout, que j'ai pas vu pour le moment. Oh, le tampon dans le mur! Avec autorité, cette Poppy qui place son passif, qui ne pourra pas récupérer le shield. On continue de prendre le trade, la pointe de l'immortel qui permet de prendre beaucoup de heal. On place le Z, on met le Q-spell de la part de sion. Et finalement, le trade qui était à l'avantage de Poppy est plutôt even. Ouais, pensant là au niveau de la mid lane, bah, tout se passe dans le meilleur des mondes, j'ai l'impression. Hein. C'est. Il n'y a pas trop de soucis, il n'y a pas eu de gank à ce niveau-là, à part tout à l'heure avec la Morgana et la Vi. Ouais, c'était très bien joué quand même. Mm. Et le meilleur des mondes, c'est un excellent. Oh là là. Il y a le blue buff qui a été comme récupéré par Blue Devils. Sur la mid lane, c'est pas mal, ça va pouvoir mettre pas mal de pression. Et d'ailleurs, Blue Devils, très ballsy, qui prend le Dark Seal sur la mid lane. C'est ça, il a pris le Dark Seal. Et la Morgana qui n'a pas encore back, si elle a back hein. Double Doran. Ah, elle a pris double Doran bot. Ouais, j'avais pas vu. Ouais. Oh, le gank sera top lane de la part de Mexis in Shape, peut-être. Sur Unbreak qui va se prendre. Le Q-spell, le flash in. Oh non, ça a été complètement cancel par son ami la Poppy. Est-ce qu'on va pouvoir récupérer le kill? Le manque de synchronisation, la tristesse, la déception, la frustration. Il doit s'en vouloir. Il doit vraiment s'en vouloir parce que là, c'est un kill. C'est un kill gratuit hein, qui aurait pu être pris de la part de cette équipe des InShape. Oh, j'ai du mal. C'est facteur niche à chaque fois. Mais j'aime beaucoup, c'est un peu comme il y a une vidéo comme ça qui tourne sur net. Où t'as l'ultime de Kate qui passe, t'as Fizz qui se met devant son pote et qui fait E au dernier moment. Ouais. Bah là c'est un peu pareil, c'est un peu j'arrive. Et là tu pousses l'adversaire. Ah, attention, on a Speedou qui veut peut-être venir essayer de tuer cette Poppy. Mais voilà, Mexis in Shape a senti qu'il y avait quelque chose qui allait se passer sur la top lane par Gobot. On a un trait qui va être pris. Le dash qui est fait pour dodge à part de Zedicus, très bon dash. On va placer le passif sur cette Janna. Il tanque les énormes dégâts. Le Q spell, beaucoup de pots qui mis en place par ce Brom. Il y a beaucoup de pots qui a été mis en place. Très bien joué de la part de cette duo lane. Polo le Bulot qui est à 62 creep contre 28. C'est vraiment ouf. Et attention, par contre, là on a la Rexa qui est en train de counter jungle. La pauvre Vi qui a dû aller en top lane. Ouais, qui est partie en top lane puisque sa Poppy prend beaucoup trop cher malheureusement. Elle devrait être un petit peu mieux maintenant. On a la chaîne veste quand même qui a permis de tanker. Mais voilà, on se prend 20 CS sur la top lane, 40 CS sur la bot lane, 10 CS sur la mid lane. C'est incroyable le facteur niche qui est en dessous dans la game pour le moment. Et là, très clairement, qu'est-ce qu'on fait hein, quand on est au-dessus au niveau de sa lane? Eh bien, on la laisse push sous tower. On ne met pas de coup de sur la tower parce qu'on veut vraiment rentabiliser le maximum cette lane. Puisqu'il a pris quoi? Il a pris 0 kill hein, en bot lane. Donc, il y a une possibilité de faire quelque chose. La Rek'Sai qui est très très forte en plus pour dive. On l'a vu tout à l'heure hein, que la Rek'Sai était très importante. Flash in, Unburrow, c'était très violent. La tornade qui va passer sur Zedicus, le level 6. Attention, Zedicus qui se retrouve 1v2. Mais à lui tout seul, il tient facilement ses adversaires. Oui, c'est ça reste un Brom hein, de toute manière, il hein, y a aucun souci là-dessus. Au niveau de la top lane pour ce Sion, bah comme tu l'as dit, il met la piquette hein, déjà 15-16 de différence avec la Poppy. En mid lane, on est à quelque chose près, ouais, c'est du pareil au même. Et au niveau de la bot lane, bah là on voit très clairement la bot lane, c'est un scandale. Hein. C'est un scandale. Et puis tu vas avoir évidemment ce Urgot qui va bientôt avoir sa meilleure mana. À partir de là, tu augmentes encore les dégâts. Une fois qu'il y aura la mana lune, il va être inarrêtable. Et c'est surprenant ce pic Urgot qu'on voit finalement revenir. Je m'attendais pas à le voir dans un tournoi amateur comme ça. Parce que hier, c'était vraiment voilà, c'était un petit pocket pick face aux aides, hein, notamment de Bersen. Attention, Mexis in Shape qui n'est pas content. On lui a volé toute sa jungle. Le red buff qui avait été volé. On est parti au blue buff. Et c'est parti sur le gank pour la top lane avec cette Rek'Sai, le Unburrow qui va passer sur Nightdream qui ne pourra pas s'échapper, qui va se prendre le Q-spell de Unbreak et tomber dans les airs. Le bisou qui va peut-être passer, ça n'a pas été lancé. On fait le dash, le bisou, deuxième dash de la part de Larry, l'ultimate qui passe de la part de Monsieur InShape et ça ne suffira pas. Deuxième kill récupéré pour les Guardians. Ouais, les Guardians qui jouent vraiment en symbiose, on l'a vu hein, sur ce move en fait, j'ai l'impression que le chasseur de roues arrive. La cage, la thermodite, et c'est parti, on va défendre cette tour. Mais ça ne suffira pas, elle va bientôt tomber la tour. L'ultimate qui va passer sur cette Rek'Sai qui va tomber sous les autoshots de la Morgana. Et c'est parti, est-ce qu'il y a de quoi mettre une cage? Le flash in cage qui sera complètement dodge par Unbreak. C'est dommage, Unbreak va pouvoir s'échapper. Ouais. Hunt, alors chasse les roues, c'est bizarre comme pseudo.
Attention, très bien joué. L'ulti qui a été mise en place de la part de Urgot. On va faire proc le passif. Le kill qui a été mise en place sur le Jean. Rien n'a pu être fait de la part de Jana, malheureusement. On voit que maintenant, hein, 88 CS à 33, on a 50 CS de différence. On a plus de stuff. On va avoir la Muramana qui va arriver très rapidement. Prochain bac à la Muramana, on a Urgot qui va faire énormément de dégâts. On va essayer de regarder un petit peu. Ah, les golds des gens. Alors, puis j'irai voir la souris. Oui, bien sûr. Ou avec Tab, je crois sinon qu'on a les golds. Ah non, c'est juste pour... Hop, c'est juste ça. Au niveau des golds, le Urgot qui a 1k6 de plus que son adversaire. C'est tout simplement monstrueux. Top lane, 1k d'avance aussi. Donc c'est X. Hein. C'est X. Voilà. Ah, je savais plus, j'avais plus le truc. La Poppy qui va revenir hein, sur sa lane. Mais on est vraiment sur une top lane assez difficile. Puisqu'il est déjà 2-0. Il a déjà sa Sunfire. Donc la tour qu'est-ce qu'il pourra faire. La tour qui va tomber, ça y est, le push final qui est mis par ce Sion du bois. Je pense même pas qu'il va la prendre. Le tampon de la Poppy. Cette Poppy qui essaye malheureusement, on met l'antidage. Bon, face à Urgot, on gagne quand même quelques stats. Voilà, le Sion par contre, pas Urgot, qui prend la tour et qui va maintenant prendre le trade. Le Q-spell qui va passer, la poignée de l'immortel qui va permettre de se soigner. Et on fait un très très bon hors-ball king. Notez les déplacements entre chaque auto-shot. Super intéressant, le Q-spell qui ne suffira pas à maintenir très longtemps. Maxis Inchep qui arrive sur la top lane pour détruire Unbreak. Unbreak va peut-être essayer de tuer la Poppy. Malheureusement, il ne pourra pas aller assez vite. Il va se contenter de prendre le farm. Ouais, faut prendre le farm. Il sait très bien qu'il pourra pas prendre un kill sur telle ou telle personne adverse. Donc c'est très très bien. Là on a quand même 4k gold de différence entre les deux équipes. Enfin 3k3. Faut faire très attention parce que au niveau du snowball, l'équipe des Guardians ont une compo qui leur permettrait de faire très très mal par la suite. En plus la Harry là, elle se sent mais vraiment poussée des ailes malgré qu'il y a eu un kill de prix de la part de Morgana. Mais au niveau du farm, elle est très à l'aise. Attention encore une fois. Mais cette Poppy qui est très ballsy, enfin qui prend des trades comme ça sous tour, qui se met à pointe de l'immortel, mais faut attention. Le Sion qui va placer le Q-spell, le E, l'auto-shot, ça ne suffira pas, l'ultime de la Poppy. Est-ce que Sion va survivre? Il va survivre, beaucoup trop tanky. Cette Poppy qui est restée peut-être un peu trop longtemps sous sa tour. Ouais, mais là, j'ai l'impression qu'on ne peut plus rien faire contre le Sion. Hein. C'est ouf, hein. Botte de célérité en plus. Et c'est dommage qu'il n'ait pas... Ah non, le nouveau skin n'est pas encore sorti, celui du Chouchou. Non, il me semble pas. Ah, pas encore, c'est dommage. Il y aura un magnifique skin Chouchou. Il va se transformer en train, je sais pas si t'as vu les images. Ah oui, j'ai vu les images. Ouais, c'est pas mal. Énorme. Énorme. Énorme et sec, d'ailleurs. Énorme et sec. Vu la team. Mmh. Ouais, mais c'est parce que tu connais pas Thibaut InShape. 3k gold de d'avance tout de même en faveur justement des Guardians. C'est pas mal, hein. 13 minutes de game, ils sont vraiment très très bien. Ils mettent une grosse pression. Et c'est principalement au niveau du farm, parce que le kill c'est plutôt even. Il y a qu'une seule tour d'avance. C'est le farm qui fait le taf. Ouais, et j'ai pas l'impression qu'on l'ait dit depuis le début, mais la Vike qui a énormément de retard, mais pourquoi? Parce qu'en fait, on lui prend tous ses camps. Le red buff, ça fait 3 fois qu'il lui prend. Ouais, le blue buff tout à l'heure a été pris. Donc ouais, c'est un peu dommage. Deux fois qu'il prend le red buff. Ouais, deux fois le red buff, oui, c'est exact. Il lui a même pris le premier. NP, est-ce qu'on va tenter le dive sur un bot lane? Zedicus qui prend beaucoup de dégâts, on met le shield, les bons dégâts, l'ultime, le Unburrow de la part de Rek'Sai et la mousson de Janna qui permet de temporiser la levée de rideau de la part de Jhin qui lock un peu l'adversaire. Ouais, là franchement, très très bien joué de la part de Janna qui sauve complètement son ADC. Je pense que la mousson, c'est... Enfin, de toute façon, hein, Janna qui est le perso le plus défensif, qui peut te pile le plus en fin de compte. Avec la tornade, la mousson, le shield et le slow, bah franchement, pour toucher quelqu'un qui est très très bien dans sa game. Bon, là en l'occurrence le Jhin ce n'est pas le cas parce qu'il a juste une pioche. Il a juste une pioche. Ouais. Bah je pense qu'il y a peu de pile autant que du Duracell. Pardon, fallait que je la fasse. La Muramana qui est up du côté de ce Urgot. On met 76 creep à Jhin. Ah, attention, c'est compliqué. La Morgana qui... Oh, il n'en occupe pas son auto shot, il n'y a pas de cash d'up. Malheureusement, mais la pioche, ouais, elle est à 52 CS, se fait complètement deny. Ah oui, non mais c'est ouf. C'est hein. Monstrueux. C'est ouf, hein. Je sais pas comment ils vont pouvoir faire. Hein. 80 CS de la part du Urgot. Il va partir sur quoi là? Il va partir sur... Yumu, je pense. Ou Black Cleaver. Black Cleaver, ce serait pas mal. Ouais, c'est bon, Black Cleaver, pas mal de CDR et tu spam fait Q. Et tu fais QQ les adversaires. Attention, tu mets de la part de Maxine Shep. Unbreak prend pas mal de dégâts. Et c'est Blue. Unbreak qui récupère le kill. Boudéville qui était venu évidemment backup. On se place à côté, on essaie de mettre de la pression. Les Q spell, il n'y a pas encore de cash job sur la part de chasse les roues. Et on va pouvoir s'échapper. Hein. Les bottes de célérité qui font le taf pour Unbreak. Mais pendant ce temps-là, attention, on a Speedway hein, qui est en bas.
On a presque plus de points de vie hein, sur le jean. Est-ce que ça se passe bien? Ouais, c'est en train de push. Ils vont pouvoir dive. Hein. Ils ont la possibilité de dive. En plus, on a les outils qui sont présents, surtout avec le Urgot. Attention, les bons dégâts qui ont été mis en place. Et le jean qui tombe très rapidement. Sans aucun problème, j'ai l'impression. Sans aucun souci, récupère une nouvelle tour. 5K gold d'avance en 15 minutes. On va passer à 6K5 gold d'avance quasiment. On prend la Timbot. On peut prendre le Drake. Non, même pas. Ils sont inarrêtables, les Guardians. En fait, ils vont même pas prendre la tour. Ils vont deny énormément. Pourquoi? Parce que bah, ça se passe bien en botlane. Il est à 2-0. Il a 147 de farm. C'est-à-dire qu'ils font magnanime. Oh, j'en ai marre. Tue-moi, s'il te plaît. Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Ils deny énormément. Mais ce mec est faux. On l'a faux. Non, mais j'en peux plus de moi-même. J'en peux plus de moi-même. Il y a un moment où ça devient compliqué quand même. Ouais. La botlane a un petit bas finalement, ouais. Ça fait que... Je pense que c'est un match-up que quand tu le connais pas, tu sais pas le jouer face à un Urgot. Bien sûr. Bien sûr. C'est même pas du tilt, c'est qu'ils savent pas jouer ce match-up là. Et je comprends, enfin, quand est-ce que tu vois un Urgot bot? Jamais, attention, Zedicus qui arrive sur la midlane. Peut-être fait un gank sur la Morgana, on a le Black Shield. Pendant que Speedo il s'est fait prendre la partie dans la jungle, l'ultimate qui va bugger un petit peu. Et il se fait détruire par Rêve de nuit, il est là, il est présent. Et Urgot qui a mis son. Sa bombe, c'est sa bombe comment déjà? Je sais même plus comment ça s'appelle. Celle de Urgot? Ouais. C'est une grenade. C'est pas la bombe au phosphore de Corki. Non. C'est une grenade, mais je connais pas le nom de la grenade. Est-ce qu'elle a un nom particulier? Tiens, bah écoute. Il faut regarder. Est-ce que cette grenade a un nom particulier? Le Noxian corrosif. La charge corrosive de Noxus. Ou de Noxian. Non, la charge corrosive Noxienne. Oui, je pense. Il a donc mis sa charge corrosive Noxienne pour mettre après c'est quoi ses Q-spell? Parce que c'est comme ça spell plus important, ce serait bien de. Acid Hunter, ok. C'est chasseur pour acide. C'est bizarre. C'est bizarre. Je reste perplexe quand même. Ne faisons pas de mot à mot. Non. Bon, pour l'instant, l'équipe qui a gagné la première game risquera de gagner la deuxième. Ouais, hein. Ils sont quasiment à 7K gold d'avance, on est à 17 minutes. Ils ont un Drake, ils ont 3 tours. En face, ils n'ont rien. Ils ont même pas de farm en face. À part sur la midlane. Et regarde directement, c'est ils vont arriver au niveau de cette botlane. On est arrivé de Bro, mon ami, le Q-spell, mais ça ne suffira pas pour l'instant. Ouais, l'arrivée de la part de Godeville avec l'ultimate, plus le bisou qui ne touchera pas. Ouais, et regarde derrière, qu'est-ce qu'il fait? On a un flank de la part de Urgot, et pourtant c'est l'ADC. Oh, les dégâts insane! En deux shots, le Bulo qui a fait. C'est une chaîne qui lance ultime sur Polo, le Bulo qui va survivre avec son heal pour le moment. Alors que derrière, on a une break qui arrive, un break qui est beaucoup trop chaud. Un break qui va peut-être mettre un ultimate. Non, pas de chouchou, c'est un kill comme qui a été récupéré par Chasse les Roues. On va essayer de faire prendre les passifs, très bien joué de la part de ce Brom qui met tous les tics sur tout le monde. Attention, le bisou qui est passé sur la vie qui va certainement tomber et qui tombera malheureusement. Pendant cela, ça tank énormément du côté de Sion. On continue sur Night Dream. Est-ce qu'ils vont tenter quelque chose encore une fois? Ils ont encore la possibilité de faire ça. Attention. Ils vont aller jusqu'au bout du dive à mon avis. On n'a pas d'ultime sur un break, ça a été utilisé. Cette Poppy qui a quand même pas mal de HP, mais il y a la Morgana qui n'a plus grand chose. Elle a le vide de rideau de Jin qui va le complètement et qui va détruire Zedicus. C'est Chasse les Roues qui a récupéré le kill. Speedo qui va peut-être tomber, donc il parvient à s'échapper avec le dash and barrow. Unbreak qui se fait tamponner. Unbreak qui va-t-il tomber? Il arrive à dodge la cage avec un flash. Unbreak, le shield qui va bientôt être up. Et il parvient à s'échapper. Ah là 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 là, très compliqué hein, quand même hein, du côté de la team des Factor Niche qui malgré cette remontée sur le kill de Urgot et celui de Brom, ça ne suffira pas à déloger la team des Guardians, qui font pas un sans faute, mais on est quand même sur une base où le Sion est à 4-1, le Urgot est à 3-1. Encore une 4-1. Et donc c'est un peu compliqué parce que le Sion on peut pas le dépop rapidement. Oh, attention Polo, le Bulo qui fait l'invade tout seul, qui va peut-être tenter de voler Red Buff. Et il a volé ce Red Buff avec sa charge noxienne corrosive. Monstrueux ce Polo. Incroyable, inimaginable, le Polo le Bulo qui fait le travail. Le Bulo s'il te plaît. Que Polo le boulot qui fait le travail, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Quand même. Je sais pas si c'était réfléchi, mais c'était réfléchi, mais bon, je suis passé pour ce que je ne suis pas. Non, c'était pas mal. Il était bien ce Polo le boulot qui fait le boulot. Ah non, c'est non, Polo le boulot qui fait le travail. J'ai cru que j'avais dit Polo le boulot qui fait le boulot. Non, j'ai pas dit ça. Polo le boulot qui fait le travail. Qui fait le travail. C'était pas mal non plus. Attention. Attention, on a Brom qui est derrière. Ils vont pas le voler. Zedicus, est-ce qu'il va pas là? C'est l'ultimate, peut-être pour tenter le vol. L'ultimate
qui lui permet pas de le voler tout de même, ça a été Smite par Maxis. Ça a été chaud patate quand même. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. J'ai eu les fesses qui ont tremblé. Disons un mot comme ça. Voilà, j'ai laissé les fesses. Tu as battu des fesses au point de t'envoler jusqu'à New York. Exactement. Ah, c'est ça. Ah, Polo Lobulo fait-il métro bulot dodo? Bah, faudra lui demander. Demander voir ça. Alors sur la botlane d'ailleurs, Polo Lobulo qui est tout seul. Hein. No care, le gars il a sa mana mune, pas encore stack évidemment. Il prend deux personnes de toute façon. Donc attention à l'agressivité de la part de Unbreak qui prend, mais que dalle. Au niveau des dégâts, ils sont 2 contre 1. Il arrive après la vie. Il y a personne. Unbreak peut-il s'échapper? Et pendant qu'on a Speedo qui arrive en plein milieu de la mêlée, c'est Redry maintenant qui prend la sauce. Tamponné par Zedicus. Blue Devil qui arrive sur le côté pour récupérer un premier kill qui placera le bisou. Deuxième dash, attention, on va peut-être récupérer le kill. Oh sur le double kill. Attention, le saut qui a été mis en place et on va certainement avoir le shutdown de la part. C'est ouf, hein, le shutdown de la part de Unbreak. Et on va prendre cette tower, cette T2 qui l'énerve depuis tout à l'heure. Ouais, des kills supplémentaires. On va être à 10k gold d'avance en 21 minutes. Alors, la seule fois où j'ai vu remonter ça, c'était dans les Underdogs, les Melty qui sont revenus en force face. Oh, pardonnez-moi, qui était la team avec les Melty? Non, oui, face au Corp Gentle. 10k gold de retard et ils sont remontés. Ah, quand même, c'est. Oh, c'est ouf, hein. Oh, ils ont fait. Ça, niveau mental, c'est horrible. Et juste après, toute la team Melty a été changée, sauf le Carrier. Voilà, GG. Non, sérieux. Ah, t'as pas suivi l'annonce. Attends, le fight qui est engagé, Unbreak qui prend pas mal de dégâts. Speedouille qui se retrouve exhaust, qui va tomber. Le lever de rideau d'Ojin qui va permettre peut-être de prendre le kill sur Zedicus. Et c'est récupéré par Rêve de Nuit. Alors que Blue Devil fait un flash in pour peut-être tenter d'accueillir un kill sur Janna. Ça ne passera pas. Polo le Bulo qui récupère un kill sur Jin. Oh là 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 là, mais quelle maîtrise de cette ulti. Attention la part de Maxis Incheps qui est pas loin. Est-ce qu'on va avoir le boost de vitesse? En tout cas, c'est très compliqué. Le slow. Oh, le E qui a augmenté la range. C'est un peu sale parce que pour moi il était hors range complètement. Ouais, là c'est. Ah, c'est pas legit. Ouais, mais bon. Ça s'est fait, garde. On ne peut pas revenir en arrière malheureusement. Ce qui est fait. What is done? What is done is done. Ah là 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 là. 4-1 du côté de Morgana, 4-4 du côté de. Ah non, j'ai cru que t'allais faire une blague avec le 4-4. Et de la part de Vic, que tu me comme le 3-4 sur Poppy. Je comprends pas. Ah, autant et le 5-1. 4-1, ça fait 4-1. 5-1, ça fait rien. Mais 4-4, tu veux que je fasse quoi? 4-4 pour la voiture? Je sais pas, bah oui. 4 Nexus, le véhicule qui vient détruire ta team. Alors là je suis désolé, j'ai pas de blague moi. Pourtant depuis tard j'ai fait il te pile comme Duracell et tout, j'en ai fait des nuls là. Mais là 4-4 non, j'ai rien. Putain. Allez Poppy qui est. Ouais, donc j'ai les Melty en fait, ils ont gagné les Nordogs et juste après on leur a dit bah écoutez, on vous kick tous et on fait une team orientée autour de Wax, le Karyadé. Tous les autres vous virez, on prend la team qui vient de perdre. On prend les 4 joueurs en face et on garde notre Karyadé. Ok, intéressant. Non mais après, je dis ça un petit peu d'une façon qui paraît brutale, hein, mais voilà, c'est des décisions très réfléchies, rassurez-vous, les joueurs ne sont pas lésés plus que ça, enfin c'est pas comme des bourrins, genre, hey, hop, cassez-vous, ça se passe pas comme ça. Allez, on continue là, je pense que ça va être le rush final, malgré qu'on n'ait pas Urgot. Urgot qui est dans le tribush, je sais pas ce qu'il fait. Il s'en bat les steaks, voilà ce qu'il fait, il fait quoi Urgot? Il se bat les steaks dans le tribush tout seul. Allez, attention, ils sont devant, on a besoin de cette. La cage qui va sur Unbreak, on va lock complètement ce Sion. Et c'est Nightdream maintenant qui va prendre le retour de bâton, c'est très compliqué. Pendant que Polo le Bulo est en train de faire la moule sur la tour botlane. Il fait la moule, et attention Unbreak hein, qui va mettre son maximum de dégâts. Nightdream qui est dans la tourmente, attention, les bons dégâts qui ont été mis en place. C'est Zedius qui est tout seul aussi. Ils sont trois en bot, ils vont essayer de prendre une tower et d'ouvrir encore une fois la possibilité de prendre un inhibiteur. Attention, David va venir récupérer le kill sur le rêve de nuit. Est-ce qu'il a, il a encore des dash? Il va pouvoir potentiellement remettre un kill. Double kill récupéré suite à la mousson de Janna. On continue le fight. C'est un kill récupéré par Speedo sur Chasse les roues. On va récupérer la T3 bot, l'inhibiteur bot et finir la game. Est-ce que Nishin Shake va tomber? Nishin Shake va réussir à survivre quand même. Il survivra à 100 milieu de là. Ah ouais, chanteur le panda. Mais ouais, de temps en temps. Ah, c'est pas mal. Oh, what? Chute donc! Eh, ça continue peut-être, hein, qu'il sera pris sur un break. Vas-y, niche! Ah, c'est compliqué parce que là, il a Polo le Bulo en face de lui. Hein? Il a vanish. Et les tâches s'évanouissent. Et les tâches s'évanouissent. Et il vient de mourir, ah, c'est pas gentil pour lui.
Vanish voilà. Et Tasha Van Miss, pas Fimmer, le gars. Bien joué. Voilà, oh, voilà, c'est voilà. Un kill récupéré dans la fontaine par Polo Le Bulo. Ce fruit de mer est monstrueux, les amis. Allez chercher de la mayonnaise. Vous n'allez pas le déguster comme ça. Je suis allergique à la mayonnaise. T'es pas allergique à quoi, toi? Je suis allergique à la mayonnaise. Je crois que c'est le pire truc qu'on m'avait jamais dit de la vie. Donc, tu sais, le mec qui te regarde avec un air coup de triste, je suis allergique à la mayonnaise. Tu sais, ça me pensait. Eterna avait mis sur son Twitter à moi, j'aimerais bien qu'il fasse des pizzas à la mayonnaise. Ah là là, incroyable. Franchement, cette game est juste énorme. Énorme. L'arrivée de Speedouille, on essaie de ramener avec le force pack de Night Dream. Le bulot est en killing spray. Speedouille qui va tomber sous les coups de rêve de nuit. On va peut-être prendre cette tour Nexus. La levée de rideau de la part de Jin. Et le kill récupéré par Niche in Shape. La tâche qui vanish. Et tout s'évanouit. Et tout s'évanouit. Pourquoi pas. Ça fait très portugais quand même. Tu veux dire que tu as des poils? Ah mais regarde bot, Unbreak qui est encore dans la base. Unbreak qui ne s'arrête pas, Unbreak qui est tout seul. Unbreak qui va jusqu'au bout, qui se heal énormément, qui va peut-être prendre le kill sur Nishin Shade. Ça, le flash qui ne suffira pas, c'est dommage, il a flash alors qu'il allait avoir le passif. Pendant que Blue Devil vient pour finir la base. Blue Devil, le renard à 9 queues, qui vient gentiment taper les adversaires. Qui ne passera pas, qui se fait lock. C'était normal. Par contre là quand même, il y a 3 inhibiteurs en moins. 2 towers en moins. Et moi je dirais qu'une chose. Et il y a 14k gold d'avance, ça passe. Moi je dirais qu'une chose. On est niveau challenger en blague. On est niveau challenger, et eh bien c'est parfait. Franchement, la chose à faire, juste pour moi, juste pour Gardoum, il faut follow la chaîne. Follow la chaîne, les gars. Au bout d'un moment. Si tu veux de nouvelles blagues comme ça, si tu veux les mêmes blagues ou même mieux au Meldon, faut follow. Et une saison 2. Pourquoi pas une saison 2 de. Saison 2. Allez, saison 2. On part pour la saison 2 de la Student Gaming League, les amis. Voilà, c'est parti. Et on va faire le Nashor là. Hein, on fait le Nashor. Franchement, très clairement. Ou alors ils les respectent pas, ils finissent la game sans Nashor. Ou alors ils prennent le Nashor, et pour les respecter en commun, ils prennent le Nashor, ils vont dans leur base et ils laissent les creeps tuer les gens. C'est les creeps améliorés. Oh non. Oh, vas-y, faudrait qu'ils fassent ça. Mais on aurait dû leur envoyer un texto. Ouais. C'est dommage, ça va être rigolo. Ça va être la guerre finale. Mais Speedou qui est tout seul, il s'en bat les steaks, Speedou. Ouais, il arrive tout seul, il craint pas. Il y a 3 joueurs qui sont très très loin de sa team. Est-ce que Polo Le Bulo irait solo le baron? Mais attends, Polo Le Bulo, il a pris le Draktar. Ah oui. Le Draktar. What the hell is going on? Allez, ça continue avec Night Dream, hein, qui va essayer de pouvoir faire quelque chose. Mais il y a trop de creeps, c'est le mignon. 5, les amis, la levée de rideau de Nishin Shade qui va tenter de prendre un kill sur des gens full HP. C'est très bizarre, le Zrot en plein milieu de la batte. Le manque de respect, l'ultimate de Zedicus. On récupère un kill sur Mexi Nishin Shade. C'est le 3v5, les amis. Pendant que Polo Le Bulo va arriver pour ramasser du kill sur Chasse les Roues. Polo Le Bulo, beaucoup trop chaud. Il prend un kill sur Chasse les Roues. Et c'est 2 kills qui sont récupérés par Blue Devil. Et un deuxième kill par Polo Blue, c'est un ace. On termine la game sans respect sur un ace avec une Winion. Incroyable. Les gardiens sont monstrueux. Extraordinaire. Monstrueux. Extraordinary. C'est ouf. Amazing. Dude, I don't know how to explain it. It was legendary. Oh yeah. Et voilà. Les dégâts. Bah, les bons dégâts, hein. Tu vois quand même que voilà Harry, bonjour. Bonjour. Et Polo Le Bulo qui est deuxième de sa team. Voilà. Pour Polo Le Bulo, pipip. Oh voilà. Pour chasser les roues, pas pipip. Parce qu'il est mort. Et faut pas mettre chasser les roues, ça incite à la haine et c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien d'inciter à la haine. N'incitez pas à la haine. Et surtout que Gardoum a un poil roux au niveau de son aisselle. Pardon. Au niveau du téton, s'il te plaît. Ah, c'était tout téton, excusez. Nous avons donc la première game qui a été gagnée par les Bra Gaming avec des petits. Et un kill récupéré, Bra. Un deuxième kill, Bra. Et ça, c'était trop cool. Et c'était cool. Je pense que je vais le garder au Ils ont gagné la deuxième game aussi. Oui, bah ils ont gagné le BO quoi. Ils ont gagné le BO. Ils ont gagné le BO. Et le deuxième BO a été gagné par les gardiens de la faille. Et étrangement, on joue dans la faille de l'invocateur. Ce sont les gardiens de la faille. Ils ont protégé la faille de l'invocateur. N'était-ce pas prévu? À vous de nous le dire. On se retrouvera donc le 23 au Meldon tous ensemble pour voir la finale, The Bra Gaming contre les gardiens de la faille. Exactement. Et ce qu'on aimerait dire, c'est merci Vincent. 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 Vincent. Merci Vincent. Merci à toi. Merci à tout le monde. Merci. Bon, on va parler des sponsors. Je pense que on avait très bien expliqué tout à l'heure. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Vous jouez aux jeux vidéo, vous avez besoin d'énergie. Du coup, vous prenez de la Monster. Évidemment. Au Meldon, il faut savoir qu'ils ont un cocktail qui se fait à base de Monster, le X-Drinker, qui est excellent.
Après, une fois quand vous êtes au Maldon, vous jouez, vous avez besoin de serveur de jeu, allez donc chez Very Games. Pour utiliser le serveur, vous devez rentrer de la soirée après, vous rentrez en Uber parce que vous êtes exténué, épuisé, fatigué. Et quand vous rentrez, vous appréciez chez vous, voir plein de petites figurines achetées chez Fun Kingdom. C'est génial. Magnifique. C'est magnifique. C'est tout le storytelling. C'est ouf. Comment on en est arrivé à là, les gars? Comment on en est arrivé là? Oh, ça fait un petit From Human to God. Je sais pas si tu connais le mec, mais non. C'est un peu ça. C'est, il aime son armée de Sekpa et tout. C'est magnifique. Bon, les amis, on va vous abandonner. C'était deux BO vraiment mouvementés. Ouais, rigolo. Avec de la bonne blague, du bon humour. Panda, je te souhaite une excellente soirée. Bah, toi aussi. Et on se retrouve le 23. Le 23. Tchou. Peace. Ah, ouais, moi je dis tchou. Toi, tu dis peace.